Bonjour tout le monde, ici Yakipon pour Ivatsam Studio. Vous savez, la petite asso toulousaine, n'oubliez pas de faire point d'exclamation Ivasound pour avoir plus d'infos. Coucou, nous revoilà sur Skull Skull comme vous voulez. La dernière fois, beaucoup de péripéties, J'ai fait exprès, vous inquiétez pas. Beaucoup de choses, mais on n'a pas battu le troisième boss. Et ça, je suis très très colère. Je suis très, très, très colère. Donc sur le coup, ben, j'espère que aujourd'hui, je vais y arriver, quoi. Un peu d'armure. Et de l'argent dès le départ, ça c'est cool par contre. Et augmente la vitesse de déplacement après le sprint. Ok. On est reparti. Et pardon. Vous risquez de l'entendre un peu souvent malheureusement. Et je ne sais pas quoi faire pour pallier ça. Pallier à ça. Non, pas lié ça. On va reprendre tranquillement. On va essayer de pas trop se mettre la pression dès la première partie. Qu'on se remette les contrôles et tout ça tranquillement. J'espère que je fais pas de bruit entre guillemets trop dégueulasse. Et que ça va passer pour tout le stream. Et que ça va se calmer aussi. Mince, je pensais être passé derrière. Ah là là. Bon, comment ça va, vous, sinon... Mince, pardon. Racontez-moi votre vie. Je fais que vous racontez la mienne à force, je pense que vous en avez marre. Mais ouais, aujourd'hui, ça va être... Ça va être des sons très buccaux, ouais. Pas trop le choix. J'ai le nez complètement bouché. Alors, vous vous débrouillez avec ça. J'avais pas envie d'annuler le stream à la dernière minute parce que ben, c'est arrivé vers midi, là. Et puis, ça m'empêche pas de jouer pour autant, en fait. Ça peut être désagréable, je vous l'accorde. Mais j'espère que ça va le faire et j'espère que ça vous dérange pas trop. Si ça vous dérange trop, ben, n'hésitez pas à le dire. Ça va... On verra ce qu'on peut faire. Mais pour l'instant, je pense que ça devrait le faire. Ok, alors, l'attaque magique, non. La bombe et... Battre un ennemi donne 20% de chance de créer une explosion qui... Ah, et des PV en plus. Allez, on prend ça. Ah, j'avais pas vu la quintessence. La quinquintessence, pardon. Le golem d'acier qui est pas mal. Pour tanker un peu. Et on est parti pour le premier mid-boss. Et super, j'ai pris le premier coup. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pif, pif, pif. Pif, pif, aïe, 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 aïe. Oh, je l'ai pas touché. Quel idiot bête. Oh non, je suis pas allé dans le bon sens, bon c'est pas grave. Ouf! J'ai eu chaud aux fesses. Hein. Ou aux racines, vu que je suis petit arbre. Et plof. Voilà. Impeccable! Ça commence bien. Attendez, deux secondes. Voilà. Désolé, je fais vraiment pas exprès. Je sais que c'est pas incroyable. Au moins, je peux passer niveau 2. Vous inquiétez pas, je suis toujours là. Je buvais un peu de café. D'ailleurs, hein, les températures, ça a bien baissé. La pire discussion au monde. Oui, d'ailleurs, il fait un peu frisqué, là, d'un coup. Hein, on est obligé de sortir les plaides. Les petites bougies, le café, la tisane, et on y est. On est déjà en hiver, hein, y a plus de temps, ma bonne dame. Oh, mais... Pourquoi j'arrive pas à les toucher? Eh oh! Mais... J'ai perdu tellement de vie juste sur deux petits idiots, là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bint? Aïe, 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 aïe. Voilà. J'aurais dû faire ça avant.
Une petite camomille et on repart. Bah ouais, on se fait une petite infus là, c'est parti. Aïe aïe aïe, quel enfer. Ah moi ça y est, c'est l'hiver est là, le nez c'est parti. Il fait je suis libre. Libre de couler. And now I want to die. Ok, il est bon, il est parti. Et l'épée de physique, très bien. Bah, oh le clown, le clown, le clown, le clown, le clown. On va le prendre en cas. J'ai pas d'argent. Ce qui est quand même bizarre vu que j'ai un objet pour gagner de l'argent assez souvent. Par contre, comment ça avec les petits couteaux? Et je vais dedans, quoi. C'est pas mal. Check, 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 check. Check, check. Check, 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 check. Check, 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 check. Oh là. Olé. Oh mais... mais j'ai pas appuyé sur le bouton. Oh mais... arrête de te... ah. Arrête de te téléporter. Bon. Vu que aujourd'hui est une nouvelle journée, ben l'aléatoire du jeu risque de changer. Je me demande quel légendaire on risque d'avoir aujourd'hui. La semaine dernière avec le joueur, c'était vraiment cool. Je me suis vraiment éclaté avec le joueur. C'était très sympa. C'était très très marrant. J'aimais beaucoup le gameplay en fait. Envoyer plein de petites cartes, j'aime bien ça moi. Dans un jeu vidéo, je préfère faire plein de petits dégâts que mettre 3 jours et demi à lancer une attaque et après ben, de faire 15 000. J'aime pas ça. Je préfère faire des tout petits, par-ci par-là. Deux petites secondes, je me mute. Elle est là, ma bonne dame. Y a rien de mieux que d'être enrhumé. Ça va être très rythmé ce stream, vous allez voir. Et bouh! Pas du tout! De moments pénibles où un mec est obligé de s'essuyer, c'est pas mal. Bon, allez, on vous passe les détails. Vous avez compris. Du moins, j'espère. Bon, je vais essayer de battre la chimère aujourd'hui quand même. J'en ai envie. Ça serait chouette. En vrai de vrai. Check, 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 check. Oh non, pas les mains, pas les mains. Ouf. Hein. Check, 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 check. Check, 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 check. Ah là là, qu'est-ce que je l'aime, ce petit clown. Ou un arlequin, tiens. Ouais. On va changer, aujourd'hui, ça sera arlequin. Déjà parce que c'est... plus... Oui, j'ai fait exprès, vous inquiétez pas. Voilà la différence de dégâts, malheureusement. Oh. Oh. Oh non. Oh non. Et il est mort. Genre. Boop. Voilà. Allez, donne-moi de la vie. Donne-moi un objet sympa, s'il te plaît. Ah oui, quand même. Oui, 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 oui. Ah ouais, 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 ouais. Au moins j'ai regagné un peu de vie parce que c'était pas la fête. Mais j'ai beaucoup d'argent. Et l'argent c'est cool, surtout pour acheter de la vie et des objets sympas. Parce que je vais en avoir besoin. Je déteste... si je déteste une map, c'est bien ça là. Oh! Check, check, check. C'était bien joué ça.
de leurrer la boule vers le haut pour en faire ce que j'ai besoin après. Même si j'ai pris un coup, c'est pas mal. Hop. Oh là là, quel maître. Oui, il faut bien que je me fasse des compliments, vous le faites jamais. Mais j'en attends pas plus de vous. Voilà. Reviens ici. Oula. Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Ding dong. Pourquoi j'ai pas pensé avant? La 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 la. Arrête avec tes assiettes. Elles sont très énervées quand même, les servantes. Elles veulent me mettre des coups de balai assez énervés. Oula. Oh. Allez, ok, c'est bon. Impeccable. Et le motard qu'on rejouera un jour, promis, mais ouais. Hop là, ça c'est fait. Oh. Oh non, ça a vraiment l'air nul là, comme objet. Le singe, c'est pas fou. Utiliser la quintessence pour que les dégâts physiques infligés aient reçu. Ah ouais, mais non. Et reçu, c'est non. Augmente l'attaque physique et magique de 70% si au moins 3 ennemis autour de moi. Alors ça peut être très fort, c'est vrai. Mais trop cher pour ce que c'est, je trouve. Oh, un esprit, go. Et surtout, ben, c'est contre la chimère, ça va rien faire. Bon, écoutez, je vais l'acheter juste là, pour le moment, hein, et on verra ce que ça donne après. Check, 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 check. Le problème, c'est que je sais pas trop quand ça s'active. Blep, 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 blep. Aïe, aïe. Ah, c'est Ondine qui congèle. Oh, ça, c'est bien, ça. Avec son petit Staros, là. Oh! Non, c'est Starry qui fait. Hein. Je sais plus. C'est qui fait? Oh! C'est Starry ou c'est Staros? Ah, j'ai un doute. Mince, j'ai un doute. Qui fait ha? C'est la question du jour. Je crois que c'est Starry. Staros, elle a une voix un peu plus féminine, je trouve. C'est quand même bizarre parce que de souvenir, Starry et Staros sont non-genrés comme Pokémon. Ou alors là aussi, je dis bêtise. Non, c'est Mickey, il fait pas ha, il fait ha. C'est pas pareil. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il est bête. Check 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 check. Oh, je l'ai empêché. Tellement les dégâts sont faits. Oh là là. Elle m'a donné tellement de vie. Je vais essayer de le récupérer après. Oh mais. Allez, check 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 check. Mais ce clown est tellement énervé, je l'aime. Des os, la quintessence, les portes de l'outre-monde. Les portes se détruisent au bout de 15 secondes et infligent des dégâts magiques aux ennemis proches. De souvenir, c'était pas mal. C'est quoi ça? L'œil du sphinx. Mais attends, mais c'est plein d'objets que j'ai jamais eu, ça. Augmente l'attaque magique et les dégâts de piège. Réduit les dégâts de piège, pardon. Ah, j'ai envie de prendre la quintessence, mais... Bon, je vais prendre les os. Déjà, d'ailleurs, je vais pouvoir monter. En niveau 3. Donc ça, c'est cool. Ok. Et j'ai les boîtes. Ça, c'est dommage. C'est pas mon sort préféré. Avec le petit monsieur, là. Oh là là, les dégâts. On a les dégâts. Ouais. RPZ le dégât, là.
Nickel, le maxi outil. Ah, finesse. Mais le doubleur de Mickey, sans déconner, il doit se taper de sacrés barres, hein, en vrai. Enfin, moi, je serai à sa place, je pense que ça me fait rire. Bon, ouais, peut-être pendant une heure. Après, quand c'est un peu long, je pense qu'il peut un peu s'embêter, le pauvre. C'est là, on le prend comme divertissement, mais je pense que... En tant que travail, c'est pas pareil. Mais ouais, le maxi outil. Merci de m'avoir sauvé, donne-moi un objet, oui. Oh. Ah, déjà. Ça, j'en ai marre de l'avoir, cette ceinture à la noix. Par contre, il me tarde d'avoir... Ouh là, j'ai fait un peu... Ouf, oula. Pardon, j'ai un peu fait du n'importe quoi, là. J'espère que je vais bientôt avoir les... débloquer ce que j'ai besoin avec le quartz noir. Pour être beaucoup plus à l'aise, revendre... Ouh là, qu'est-ce que c'est? C'est le champion, c'est non. Par contre, je veux bien tes os, ouais. M'a filé la moitié de mes os pour passer niveau 4. Niveau ultime. Allez, boum. J'ai bien fait de prendre le... Comment ça s'appelle? C'est pas possible. La pommade avec le marais. Par contre, je prends trop de dégâts. C'est pas bon du tout, même quand je vais arriver. Ouf. Même quand je vais arriver pour avoir du heal, je vais pas en gagner beaucoup. Enfin, ça dépend de ce qu'il me propose en heal, mais là, je fais un peu n'importe quoi. Allez, super encore. Ah, c'est pas ouf, là, ce que je fais. Je me concentre pas assez. On parle de Mickey, voilà, ça me déconcentre. Oh, le génie! Moi, je l'aime bien. Allez, des onigiri, c'est pas assez de heal. Et la quintessence, on a de la vase. Oh, c'est nul. Lors d'un échange étourdi... Bon, les objets sont pas fous. D'un côté, tant mieux, ça me permet d'économiser. Oups. Bon, ça s'est bien passé, j'ai tout explosé là-haut. Ah, il me faudrait beaucoup plus de vie, là. Ah, la congélation, le poison. Il y a pas mal de choses, là, c'est pas mal. Je sais pas si le poison s'en va au bout d'un moment. Est-ce que c'est un debuff limité dans le temps? Je ne sais pas. Oula, oula, oula. D'abord ça, là, voilà, merci. Ah, j'ai pas vu la cloche. C'est normal, c'est toi la cloche. Ah, mais... Oh là là. Pardon. Ouais, là, j'ai pris un peu, ouais. J'ai pris un peu cher. Mais c'est pas possible. Oh là là, mais il y en a combien? Non. Ma vie n'est pas très contente, ouais. Oh là 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 là. Va falloir faire tellement attention. Mais ça m'énerve que dans ces maps-là de transition, il n'y ait pas un heal qui est caché. Ou alors j'ai très très mal cherché. Ça, c'est possible aussi. Bon, j'y crois moyen, mais on va voir. Hein. J'essaie de me concentrer un peu. Ah non, j'ai pas fait le bon truc. Ouais, non, je fais un peu n'importe quoi. Après, je lui mets cher, hein, mais... Voilà, c'est déjà phasé, mais le problème, c'est que j'ai fait un peu n'importe quoi. Faut sauter. Super.
Oh mais... Ouais d'accord. Bon allez, on recommence de suite. J'étais pas prêt. Je pense que j'étais pas prêt. C'est pas grave. Ça m'a un peu énervé là, mais... Non, j'étais pas prêt. C'est pas grave. On va économiser aussi le quartz noir si possible. Allez, on va prendre ça un peu pour voir. Oui, j'étais pas prêt. Ouf, il est un peu lent lui. Ah, la tablette, elle est pas mal. Et l'arc, allez. Un ennemi invaincu, ça accélère le rechargement. Non, j'étais pas prêt. Je pense. Mon dieu, qu'est-ce qu'il est lent! Mais en fait, le perso de base, il peut être très bien aussi. Je sais pas pourquoi je joue pas plus souvent. Hein. Oui, il est très très bien le personnage base. C'est pas mal, oui. Mais c'est pas possible cet objet, j'en peux plus, de cette ceinture. Ok, pardon, ça m'a surpris. J'ai pas vu le bang. Hop là. Où est ma tête? Ah, c'est bon, elle est là. J'ai perdu la tête. Ouais, je préfère limite ça. C'était pas mal à jouer le peu que... Tchac. Bam, bim, boum. Oula. Allez, le bouclier de l'EPV. Putain de foire. Putain de foire, il a une bonne allonge. Ouais, bon, on va prendre ça pour le moment. C'est vrai que la première fois que je l'ai joué, c'était pas mauvais. J'ai pas d'argent. Ça, c'est pas cool, mais bon, tant pis. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Check, 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 check. Check. Ah! Check, check. J'ai pas sauté assez vite. Check, check. Mais! Check. Mais arrête! Et il est pénible. Oh! Je savais pas que j'attrapais le bord du. Check, check. Check, check. Oh mince! C'est bon? Oh là! Je viens de prendre une. Plic, ploc, plic, ploc. C'était un combat très intéressant, hein, vous l'avez vu, hein? Plic, ploc, plic. Oh! On va prendre la faucheuse. On va jouer un peu la faucheuse. Allez, c'est parti. C'est vrai que la dernière fois, on n'a pas pu trop la tester parce que voilà. Mais. C'est pas grave. On va la tester maintenant. Parce que j'avais un très très bon stuff en fait. Ok. Très énervé. Oh! Wow. C'est quoi RT? Quand est-ce que je fais RT? Je sais pas. Là j'aurais pu. Quand il y a des ennemis. Ok. Wow. Ben dis donc. Ah non, je l'avais pas bien testé, dis donc, la faucheuse. C'est pas mal. Donc, est-ce que c'est une journée où la faucheuse sera beaucoup plus là que d'autres? On disait bon. Pas trop d'or, hein, par contre. Mais vu que là, j'ai un très bon crâne, je vais essayer de le garder. Et de voir jusqu'où aller avec ce build. Parce qu'elle est loin d'être mauvaise, la petite, hein. Ouais, ouais. On va prendre de l'or, on va prendre de la... Du stuff.
On va essayer de stuffer la fourchette, c'est parti. En plus, elle a une bonne allonge pour le... Non, c'est vraiment pas mal. Aïe. Pas mal, pas mal. Le feu de l'enfer. Ah, si je trouve des bons objets pour améliorer la magie, oui, ça peut beaucoup, beaucoup, beaucoup le faire. Allez, on arrive déjà à machin truc. Le pauvre arbre qui a rien demandé à sa vie. Par contre, la mort avait des petites ailes là, ding. Oula. Oh non, le feu, il l'a pas touché comme il faut. Eh ben, j'ai l'impression que plus je lui mets des dégâts, et plus ça prend cher, cela dit. 36, 50, 31, non, je sais pas. Oh. Ouf, je sais pas comment je l'ai esquivé celui-là, mais je l'ai fait. Là, non, par contre. Bon, par contre, mon... Ma hitbox, je pense qu'elle est un peu plus grosse, bizarrement. Et ben voilà. Pauvre arbre. Ah, l'énigme. Ah, l'énigme. Oh, l'énigme. Pardon. Ça me fait rire. Petite énigme. Bon, on revient là. C'est comme si on avait rien fait. Oh. Après, c'est vrai que plus il y a d'ennemis, la faucheuse, je pense qu'elle fait de plus en plus de dégâts. Avec le fait que l'âme que je collecte en tuant quelqu'un, bah, se divise en trois petits trucs qui frappent, c'est pas mal. Oh, surtout contre elle, là, mais ouais. Allez. Et boum, hein. Ah oui, non, mais c'est réaction en chaîne, c'est domino D, la faucheuse, quoi. Où est Dev? Il manque juste Dev et on est bon. Oh, magie. Allez, l'attaque magique. L'épée, non. Ça, non. Et ça, c'est physique aussi. Eh ben, c'est pas gentil. Est-ce que j'ai mieux que l'énigme? L'orque, c'est encore du physique. On va prendre au moins la vie et on laisse le reste. Je laisse. Pouet, pouet, pouet. Non, là, il faut augmenter l'attaque magique. Il faut vraiment faire au mieux pour augmenter... Ah, j'ai tout pris. L'attaque magique. Check, check. Bon, si, j'ai un truc pour taper de loin. Qu'est-ce que tu vas faire? Et aussi, j'ai l'énigme. Faut y penser. Il a l'énigme, oui, l'énigme, l'énigme, oui, oui, l'énigme, l'énigme. Ouais, ouais, elle est bien, la faucheuse. Hein. En fait, à chaque fois que je vais tester un perso, je dirais qu'il est bien, c'est tout. Sauf le truc du début, là, j'ai oublié le berserker, je crois. J'ai pas aimé. Mais bon, ça, c'était s'il faut le niveau 1. Ah là là. Allez, c'est le mid-boss. Enfin, c'est les mid-boss. Oh. Ben, vous savez quoi? Je vous pose des petites énigmes, là. Vous en faites ce que vous voulez. Le feu, par le feu, soyez purifiés. Oh, et petit... Oh non, je me suis trompé, je voulais poser une énigme. Tiens. Je suis la faucheuse. L'attaque de changement, elle peut faire de très très gros dégâts. Je suis l'énigme. Oh oh. Je suis plus l'énigme. Oh, l'énigme, elle est là. Vite, vite, vite. Par contre, pas assez de dégâts pour casser les capacités, on dira, héroïques des ennemis. Ou alors, fallait que je les tape un peu plus fort. Check, check. Ah!
Succès déverrouillé, tueur de héros. Donc j'imagine que j'ai tué beaucoup de héros. Naya, fleur de glace. Allez, on prend fleur de glace, ça sera mieux que l'énigme qui est pas folle. Soyons honnêtes. Bon, j'espère par contre que j'aurai assez de vitesse d'attaque. Oh non. Que j'aurai assez de vitesse d'attaque pour tuer les filles, là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est l'osmode de rapidité. Attends, quoi? C'est... Les attaques critiques infligent un montant fixe de dégâts, les bonus de ces dégâts de cet objet augmentent de 30% à 100% en fonction du nombre de crânes de vitesse possédé. Mais j'en ai pas. Donc, je sais pas. Je vais pas le prendre. C'est pas grave. Je veux le trésor, moi je veux les objets magiques, les objets magiques, on aime la magie. Zouche. C'est les fleurs de la glace, oui. Qu'allez-vous faire, les fleurs de glace? Check. J'ai réussi quand même à me prendre des dégâts. Personne n'y a cru, et pourtant si, il y arrive. La nullité a frappé cet homme. Ça c'est toujours bien, on prend... Mais j'ai pas beaucoup d'objets sur moi, en fait. Augmente l'attaque magique. Ah oui, ça c'est l'harmonie, mais bon. On attend encore de voir l'humain. Le lutin. Quoi? Ah non, non, c'était pas fou le trio de lutin. Non, non, non. Puis de toute façon, je suis très bien avec ce que j'ai là. Bonjour, donne-moi un objet, s'il te plaît. Je le prends parce que j'ai rien... J'ai rien d'autre, quoi. J'ai pas beaucoup d'objets. Pouette, 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 pouette. Allez, on y croit, on va essayer de battre des trucs, ouais. Oh là, oh là là. Oh là là. Alors d'abord ça. Ensuite, par le feu, soyez purifié. Ah mais c'est tous les ennemis sur l'écran. Oh mais c'est un emballage. Vous êtes content d'avoir sauté là, vous quatre? Ça vous apprendra, vous êtes vilaine avec vos assiettes. Pouette, 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 pouette. Et nous allons taper sur les deux vilaines. Oui, les vilaines. J'espère que je vais réussir. Bon, mais dès le départ, vu qu'elles sont deux, je vais utiliser mes fleurs de glace. Pour voir comment ça interagit avec elle. On va voir. Je me suis complètement trompé, mais c'est pas possible. Oh! Mais j'ai pris plus de 20 points de dégâts gratuits parce que je suis bête. Zouche. Par le feu, sois purifié, madame. Alors? On a mal? Ouais, on a mal. Tiens, tiens. Je l'ai pas vu faire. Check, check. Je les découpe avec ma faux. Check, check. Mais là, je suis un peu gros. Oh non. Si, c'est la bonne. Voilà, bim. On va faire les fleurs de glace maintenant pour avoir le CD. Comme ça, dès qu'elle apparaît, il y a le feu, il y a tout là. Elle a tout pris là. Tiens, tiens. Et non, tu m'auras pas. Ya. Ya, je suis la faucheuse. Toi, tu es rien. Tu n'es que vilainie. Non, je me suis trompé. Check, check. Et non, et non. Oh non, pas ça. Ouais, bon, mais ça, j'arriverai jamais à l'esquiver. C'est. Oh non, mais je vais perdre! Oh, je vais perdre. Je le sens. Je vais perdre. Oh, je sens que je vais perdre. Oh! Oh! Bon,
aujourd'hui, elles me posent problème, les deux petites. Alors, j'imagine même pas la... La... Comment elle s'appelle déjà? Ah oui, la chimère. Non, mais j'en suis, là. Ah, beaucoup de vie. J'enflerai. Augmente la vitesse d'attaque de 20%. Une attaque normale à 3... Sur 3, hein, pardon, inflige une blessure dorée. Celui-ci subit des dégâts physiques. Bah écoute, je vais le prendre, parce que déjà, de 1, j'ai rien d'autre. Et de 2, bah ça scale pas trop sur mes dégâts physiques, mais ça peut aider. Donc on prend, hein. Par contre, j'apprécie les 90 points de vie qu'elles m'ont lâché, je me le cache pas. C'est quoi ça, déjà? Avant de l'attaque physique pour chaque compétence en rechargement, c'est non. Oh mais, bonjour les ennemis, ça va? Je les ai pas vus. Un trésor. Ah mais c'est vrai qu'ils explosent, oh là là. Mais quelle catastrophe. C'est la catastrophe, hein, quand même. Par contre, les dégâts sont là. Ça, c'est sûr, c'est clair et net. Les dégâts sont là. Mais j'ai pas d'objet, c'est fou, ça. Oh! Lors d'un échange, augmente l'attaque magique. Oh. C'est bien, mais j'en veux pas. Tous les projectiles qui explosent au contact font des dégâts purs. Augmente les dégâts des projectiles de 50% s'il n'y a pas d'ennemis autour de toi. Tous les objets peuvent être bien, mais pas pour moi. C'est dommage. Oh, pas ça. Brûlez, brûlez. Par contre, le feu contre les... Oula. Contre les alchimistes qui font le rituel, c'est très très fort. Et en plus, ça a même touché ceux au-dessus. Ouais. J'espère que je vais m'en sortir, sans déconner. Parce que, franchement, là... Si je m'en sors pas contre Jean-Francis, ça va être pénible. Vous l'avez reconnu, hein, Jean-Francis Chimère. Oui, explosez tous dans votre coin, hein, et foutez-moi la paix. Une salle plutôt bien gérée. De la part du joueur français, évidemment. Yes, j'ai pris des dégâts, j'adore. Qu'est-ce qu'il me donne, lui, déjà? J'ai oublié. Permet d'améliorer tes compétences. Alors, je sais pas si améliorer, c'est changer. Bon, je vais mettre oui, mais j'ai peur que ça me les change. Allez, on le saura. Je me suis trompé. Ça a l'air de les avoir changés. Effectue une charge et frappe tous les ennemis sous son passage en infligeant. Crée une faille dimensionnelle près des ennemis qui infligent des dégâts magiques. Ah, récolte, elle devient invulnérable, arrête le temps et frappe avec sa faux qui inflige des dégâts magiques. Oh, c'est mieux que le feu. Le feu était bien, cela dit, je m'en plains pas. Mais alors là, je deviens invincible. On va voir de suite contre le mid-boss ce que ça donne. On installe ça. Et c'est parti, on le fait. Check. Mais c'est très fort. Alors, on a mal, messieurs, dames. Et je le refais. Zouch. Zouch, zouch. Zouch, zouch. Zouch, zouch. Voilà. Non, c'est bien le nouveau pouvoir. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, augmente l'attaque physique en fonction des... ouais, oui, mais de toute façon, enfin, j'ai pas de truc physique, donc on va échanger avec ça. Tout simplement pour avoir les passifs. Les passifs des objets. Et oui, ça fait un peu zouche, là, là. Zouche, zouche, zouche. Oh, lui, il a pris un petit éclair, là. Aïe! Ouais, non, c'est fort, sans déconner. Bonjour, c'est moi, je suis Micheline la faucheuse. Ouais, très bien, ma faucheuse, comme ça. Elle mériterait plus de dégâts magiques, pardon, parce que j'ai pas mal d'objets physiques. On dirait la faucheuse dans Shovel Knight. Oh punaise, qu'est-ce qu'elle était pénible, elle. Pourquoi je suis allé sur... Punaise. Allez, on s'en va. On fait The Bush. On se barre. Et là, on attend que les réactions enchaînent. Oh non.
Ah, zouche. Voilà, on attend que les réactions en chaîne tuent les ennemis et on se barre. Sont là, on est d'accord, ils vont mourir écrasés. Ah mais non. Et aïe. Non, c'est très très fort. C'est encore plus fort que fort. Mais je suis au-dessus et ça les tape. Et ça, c'est pas fort, ça. Impeccable. Il y a plein d'ennemis. Aïe. Pas eu assez de réactions en chaîne au-dessus, là. De toute façon, j'ai fait... Aïe. Ah, pas mal, pas mal. Oula. Et tu te calmes, s'il te plaît. Merci. Je me souviens pas si la faucheuse dans Shovel Knight a été aussi pénible, cela dit. Là, elle est forte, ma faucheuse. Non, pas Dead Cells, non. C'était bien la fois où je l'ai eu, mais là, c'est bon. Un petit café, là. Oh ! Combien ça coûte ? 4500, la poupée vaudou. Ah oui, non, par contre, c'est fort, oui. Oui, on s'en plaint pas. Ça, c'est très bien, ça. Ça, c'est bien aussi, Ondine. On va prendre Ondine à la place de l'attaque physique. Et je peux pas prendre celui-là, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai pas d'argent. Zwoosh, zwoosh, zwoosh. Aïe! La puissance de la faux. Oh oh. Très bien. Je veux des trésors. Je veux des... Elle a envoyé sa faux comme un boomerang. Un boomerang, pardon, pas un boomerang. Je... Ça m'a pas marqué plus que ça, tiens, ça me... Ah si, je vois. Oui, oui, c'est... Oui. En plus, c'est un des premiers boss. Non ? Ouais, je crois que c'est un des premiers boss. Avec le niveau un peu Halloween et les éclairs qui allument le stage. Ouais, c'est bon, ça me revient petit à petit. Un bon objet ? Les gains d'or et les PV. Bon. Désolé, mais les gains d'or, c'est pas trop... Ah, mais ça y est, on y est ! Oh non. Oh non, on y est. Bon, j'attends les bonnes ondes, là. Là, j'en attends énormément de vous. Aidez-moi. Spooky, spooky. Aidez-moi, s'il vous plaît, à vivre, là. Alors, déjà, ça. Je me suis trompé. Oh non, je suis devenu caca. Je suis la faute. Aïe, ya. Je veux le battre. Mais c'est nouveau, ça ! Pardon. J'ai un peu hurlé, c'est vrai. J'avoue, j'ai un peu hurlé. Genre, ah, mais mon dieu, mais c'est dingue ! Aïe ! Allez, on a fait le mi-vie. Et moi, je me sens plutôt bien. Allez, là, c'est l'attaque de l'enfer. Il fallait que je teste un truc. Donc d'abord, on se protège là-dessous, et après, quand ça tombe, comment on fait? On fait pas, en fait. Ok, très bien. On le saura. Allez, on y croit. J'y suis presque. Plus qu'un quart. Ne fais pas n'importe quoi. S'il te plaît. Aïe! Il faut que je vive! J'ai pris des dégâts assez énervés, là, par contre. Mais cette griffe là. Allez, allez, allez. Non mais non mais oh mais meurs. Disparaît, fausse déesse. C'est le nom de mon succès. Laissez-moi souffler. Laissez-moi boire un verre d'eau. C'est pas fini. Ah, c'est bon, c'est un dialogue. C'est bon, je bois de l'eau. Oh la vache.
J'hurlais. Allez, l'histoire se débloque un peu plus. Pas trop tôt. Ah, te voilà, je comprends mieux pourquoi tu étais introuvable. Je parie que cette odeur nauséabonde vient de toi. Un misérable squelette qui tente de sauver sa propre espèce. Tu as perdu la tête, quel est ton véritable objectif? Mais ça ne m'étonne pas. Même le roi démon est un menteur invétéré. Les vermines comme toi ne pourront jamais ressentir la moindre émotion. Meurs! Pardon? Je fus surprise de ce que je découvris. Le sous-sol dans lequel je suis entré avec précaution était immense. C'est un laboratoire souterrain. Dans cet endroit, les humains avaient mené d'innombrables expériences cruelles sur nos compagnons démons. C'était écœurant. Pardon, je relis la même phrase. Je ressentis l'envie de tout détruire. Je tremblais de rage, mais je savais que ce n'était pas le moment, au vu de mes compagnons démons capturés. Qu'allait penser le petit garçon vertueux, qui rêvait d'être un héros de cet acte monstrueux? Le petit garçon sautilla parmi les innombrables démons, servant de sujet d'expérience, et il atteint une grande porte de laboratoire. Je me suis approché. De l'autre côté de la porte, un homme masqué regardait un grand réservoir d'eau tout en conversant avec d'autres humains. J'ai pu entendre quelques-unes de ses paroles. La seconde venue de la déesse, prendre l'initiative sur le continent, capturer des démons vivants. J'étais sûr que les tests étaient abandonnés. J'avais le sentiment que le royaume de Caerléon voulait réaliser un plan cruel. Alors que j'observais les nombreuses pierres sombres du laboratoire, je ne remarquais pas que la porte s'ouvrait lentement. Quelle erreur stupide! Le petit garçon était tellement choqué qu'il ne se rendait même pas... Ah oui, d'accord, petite faute. Je me suis dit, attends, c'est moi qui bug. Donc on fait la phrase nous-mêmes. Quelle erreur stupide! Le petit garçon était tellement choqué qu'il ne se rendait même pas compte qu'il ouvrait la porte. Les hommes du laboratoire firent silence, comme s'ils essayaient d'évaluer la situation. Et puis, ils sont entrés dans une rage folle. Des soldats sont venus vers nous. Le petit garçon s'est enfui. Il a couru comme un dératé. Moi aussi, j'ai voulu, pour sauver ma vie, j'ai couru, afin d'informer le roi démon. Je n'ai pas vu un trou dans le sol du laboratoire et je suis tombé dedans. Le petit garçon avait suivi le même chemin que moi et semblait s'être blessé aux jambes dans sa chute. Il a continué à courir, encore et encore. Puis, j'ai vu un chemin qui menait dehors. Waouh! Bonjour. Oh! Il existait donc un tel endroit dans la prison souterraine? Argue, la première tâche qu'on m'a confiée après avoir capturé était de creuser cet endroit. J'étais contraint de travailler pour des inconnus, et dès que la construction du laboratoire a pris fin, ils m'ont amené ici. Argue! Décampons, cet endroit me donne la nausée. D'accord, mais je ne pense pas que la sortie soit par là. On devrait remonter. Attends, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est grâce à ce type que l'émeute a réussi et que nous avons pu nous enfuir. Enfin libre. Mais après toutes ces années, il est mort. Qu'est-ce que tu racontes? Ce type n'est pas mort du tout. Je l'ai vu se battre récemment. Et il pouvait même bouger la tête, pardon. Peut-être qu'il va rester en place. Ah bon? Alors on peut peut-être l'aider. Oui, essayons de recoller les morceaux. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Il a l'air différent. Peut-être qu'il est vraiment mort. Hors de mon chemin. Oula, il est très énervé, lui. Hein? Hors de mon chemin. Adrienne. Oh, je t'ai vu. À l'étage supérieur. Qu'est-ce que tu veux? Je vous ai dit de partir. Voilà, ça sera Rambo Vaudou. Oui, je ressuscite. Argh! Il n'a rien de démon ordinaire. Je tiens à te ressusciter, genre squelette. Grâce à toi, j'ai pu mes jambes de cette prison souterraine. Et pas seulement nous. Tous les autres démons ont aussi pu s'échapper. Comment pouvons-nous... Ah non, putain, j'ai pas vu que c'était vaudou. Comment pouvons-nous te remercier sans toi nous aurons jamais piégés dans la tourmente?
Ils étaient vraiment horribles. Merci encore une fois, tu es notre héros. Nous allons rentrer au château du roi démon. Que comptes-tu faire? Aucun mot, je me barre. Il te reste encore quelque chose à faire? Sinon, pourquoi vouloir retourner dans cet endroit horrible? Ne me dis pas que tu veux libérer le roi démon. Ah, c'était le vaudou, bon, c'est pas grave. Hein? Le roi démon a été capturé? Oui, tout du moins. De bruit que j'ai entendu. Bon sang. On dirait que les choses ont empiré à l'extérieur, mais malheureusement, je ne peux pas t'aider pour l'instant. J'ai utilisé mon mana pour te sauver, cela en valait la peine, puisque j'ai pu payer ma dette. Mais il va me falloir un peu de temps pour récupérer. Oh, je vois les alchimistes parler d'un prisonnier important. Ça doit être le roi démon. Il prévoit de le déplacer dans la forteresse. La forteresse? J'espère me tromper, mais si c'est la forteresse à laquelle je pense, mieux vaut abandonner. En effet, il est difficile de pénétrer. Hé, le squelette, tu sais à quel point cette forteresse est imprenable? Elle est comme un labyrinthe rempli de pièges. Et puis, ils nous attendront sans doute là-bas. Toute l'armée y est affectée. Même les plus grands démons ne peuvent pas y entrer aussi facilement. Malgré tout, tu veux tout faire pour sauver le roi démon, quoi qu'il en coûte, pas vrai? Alors c'est ton jour de chance, puisque j'ai creusé ce laboratoire, je connais un accès secret. L'entrée secrète se trouve dans une planche cassée. Tu y trouveras un ascenseur qui mène directement à la forteresse. Comme c'est pratique. Oh, c'est génial! Heureusement qu'on s'est tous réunis ici. Je t'en prie, sauve le roi démon. Et cette fois, fais attention à ta tête et ne la laisse pas tomber trop loin. Désolé de pas pouvoir vous aider, bonne chance. Et il s'en va. Je dois y aller moi aussi. Vous y arriverez, c'est certain. Faites attention sur la route. Est-ce que le monde extérieur a beaucoup changé? Bah, tu verras, hein. Tu verras bien, mais il y a un arbre sur ton chemin, hein, qui est mort. Oui, la vie. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? La masse d'acier de guerrier. Assommer un ennemi. Ah non, c'est pas fou. Mais est-ce que je peux le mettre à la place de quelque chose? Oui, ça. Désolé, c'est un très bon item, mais... Youhou! Bon, mais j'ai pas fini le jeu. Bon, j'y retourne. J'ai pas du tout fini le jeu. Par contre, on a 3500 quartz. On va enfin pouvoir avoir une capacité plus forte. Oui, mon enfant. Oh. Et si... Merde, je veux juste lui parler. Voir si elle me dit quelque chose de neuf. Bon, ok. D'accord. Eh bien, c'est parti pour la suite du jeu. Nous sommes à l'extérieur de la forteresse. Oh, j'ai envie de me lancer, là. J'ai peur de mourir. Bonjour. C'est Skeletobius. Fais-tu partie de notre unité? On ne dirait pas. Est-ce qu'il vient d'en bas? Soyons bien clairs. Je ne suis pas coincé ici avec une lance dans le torse parce qu'un grand paladin m'a attaqué. Je me demandais juste ce que ça ferait d'être transpercé par une lance. Alors je me suis transpercé tout seul. Oui, tout seul. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela veut dire que tu n'as rien d'un squelette ordinaire. Si tu comptes sauver le roi démon, sois prudent. Les prêtres sont redoutables. Ils utilisent une magie spéciale qui anéantit toutes nos troupes. J'ai l'impression d'être écrasé en permanence, comme si une énergie divine compressait tout mon corps. La fontaine m'a redonné un peu d'énergie, mais elles sont très bien protégées. Tout d'abord, je vais attendre que quelqu'un m'enlève ça. Enfin, non, je me suis mal exprimé. Cette posture me gêne, alors je vais aller là-bas tout seul. Bon sang, c'est paladin. Je t'avais dit de faire attention à leur magie. Si la situation dégénère, enfuis-toi. Deux petites secondes. Quelque chose de neuf, ouais. On part sur de la nouveauté. C'est cool. Parce que Dieu sait que... qu'on en a su la semaine dernière. Oula. Mais qu'est-ce qui tombe du ciel, là? Calmez-vous. C'est un mob qui fait ça, ou... Hein? Mais faut que je fasse quoi? Ah! Pardon. Bon, je vais découvrir les monstres, ça va être un peu pénible, désolé. Hein. Oh là, calme-toi s'il te plaît.
Je ne sais pas trop ce que je dois faire, cela dit. À part esquiver... Ah! Je vais utiliser mes capacités et tout. Ouais, là, je... Le but est vraiment de gagner. Ok, un objet. Après avoir utilisé une compétence, l'attaque normale suivante inflige des dégâts physiques supplémentaires. Mais je n'ai pas de physique. Donnez-moi des objets magiques, bordel. Oh, un nouveau bonhomme. Un nouveau bonhomme qui va pouvoir m'aider. Il me faut survivre. Et zouch. And what? Oh mais... Ok... J'essaie de voir aussi comment ils se battent, hein, les ennemis, c'est important. C'est important pour plus tard. Ah, je peux libérer un bonhomme. Le chevalier de la mort. Avec une espèce de petit poussin. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y en a deux. J'avais pas vu le deuxième. Oh non. Une pub. Ah. Bon, attendez. J'ai une pub sur le live, donc je sais pas si vous l'avez aussi. Bon, ouais, c'est pas grave, au pire. Bon. Chevalier de la mort. Il est en train de tricoter. Ouais, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas trop ce qu'il fait, on est d'accord. Mais il a des petits oiseaux. Non, on n'a pas la pub. Bon, d'accord. Bon, bah, je continue alors. C'est toi, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai des hallucinations? Comment un squelette a pu arriver ici? Je croyais que tout le monde était mort. Merci de m'avoir sauvé. Pour l'instant, je suis pas d'une grande aide. Mais ne t'inquiète pas, je vais bientôt te tricoter un petit bonnet pour que tu n'aies pas froid. Veux-tu que j'attende au château? D'accord, à plus tard. Cool! On aura des nouveaux bonus de début de partie. Vous n'avez rien vu? Je n'ai pas du tout pris le génie pour le faire évoluer plus tard. Arrêtez de mentir. Allez. J'ai peur que si je tombe dans un trou, ça me tue de suite, par contre. Et zouch. Oh là. Pardon. Ça m'a fait peur. Je sais pas qui fait les... Je ne sais pas qui est-ce qui fait, pardon, les boules de feu, là, mais ça me fait... Ça me fait un peu peur, c'est vrai, oui. Oh là. Cette statue, là. Augmente les dégâts subis de 10%, quoi. Augmente les dégâts subis de 20%. Oh non, c'est plus je me fais toucher par des trucs de lumière et... Et plus c'est un peu le bordel pour moi. Oh, ça craint, ça. Ça, ça tombe dur. Ça s'en va à un moment donné ou pas? Ah! Non? Bon. Je ne sais pas. Je sais pas vers quoi je vais là, mais. Le stress. Check. Oh, ce que je lui ai mis à lui, le pauvre. Il a pas tout compris. T'as fait, mais qu'est-ce qui se passe? Ok. Et c'est le paladin noir, qui n'est pas mauvais, cela dit. Ah, enfin, quoi. Bah, super, pas de bons items, enfin... Pas d'argent. Yes, trop bien, quoi. Eh bien, la porte quand tu veux. Allô? Oh, petit ding-ding, là. Ah, mais... Ouais, je pense que malheureusement, c'est plus je me fais toucher, et plus je vais prendre de dégâts après sur les... Sur le boss qui sera sûrement... une grande nonne, ou j'en sais rien, et ça va être le... Ça va être l'enfer. Ouais, c'est... Je sais pas... Quel debuff c'est... S'il va partir ou pas, mais... Ça me met pas forcément bien, ça.
Zwoosh. Oh, mince! Pardon. Oh. Les attaques de base suivantes infligent des dégâts critiques toutes les 3 secondes. Hein? Les attaques de base suivantes. Mais genre, suivantes à quoi? C'est ça la question. On va voir. On avance. Zwoosh. Oh là là, les dégâts que je mets quand même. Je suis pas là pour cueillir des fraises. Hein. Oh la vache. J'utilise pas assez mes roses. C'est bien dommage parce que c'est très très fort. Ouais, c'est très très fort. Qui fait ding ding là? Tut tut. Mais déjà? Enfin déjà. Je pensais pas le tuer aussi vite. C'est pas grave. Je me suis purifié. Ah! Donc j'ai enlevé le debuff. Nous nous rencontrons enfin. Mais... Oh, voilà le petit squelette. Heureusement que je suis le seul... Attends, que je suis seul, ça me donnera l'occasion de rembourser ma dette. Les rumeurs de ma défaite contre un simple squelette se sont répandues comme une traînée de poudre et personne ne m'a reconnu. J'avais pourtant préparé une tonne d'autographes. Quelle humiliation. Comment ai-je pu perdre? Après réflexion, il n'y a qu'une seule raison. Je t'ai sous-estimé. Il n'y a pas d'autre explication. Comment un misérable squelette comme toi a-t-il pu vaincre un héros comme moi? Ton niveau est assez élevé désormais. Je ne vais pas te faire de cadeaux. Oh là... Et tu pourras accepter l'épée de la justice. Oh shit. Ouais donc c'est vraiment un nouveau combat quoi. Bon je vais pas quoi. Je sais pas du tout ce qu'il fait, cela dit. Ah mais. Ouais d'accord, il est très très énervé. Hein. Oh, je lui ai pas fait de dégâts. Genre vraiment pas. Mais il est super dur. Waouh, mais c'est mort en fait. Oh non. Ils sont déconnés. Très déçu. Oh. Mais sans déconner. Ah non mais il fait vraiment du tricot. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, attends, on va lui parler après. Vous le constatez sans doute pas vous-même, je sais toujours demander plus ce qu'il était. Mais elle dit toujours la même chose, pourquoi il n'y a pas plus de dialogue avec elle? Oh, mais sans déconner, ça me gonfle, le truc il m'a atomisé. Permet de ressusciter. Permet de détruire des parchemins pour obtenir jusqu'à... 421 pièces d'or en fonction de leur grade. On va essayer de ressusciter pour le moment. Je suis très déçu. Je suis très très déçu. L'artisanat et le bricolage, j'aime bien, j'ai peur de me battre. Si jamais tu veux restaurer le château du roi démon, viens me voir, sinon désolé, tu peux partir. Ben, je veux restaurer. C'est quartz noir. Si tu peux m'en trouver, je vais tâcher de faire restaurer le château du roi démon. J'en ai pas besoin de beaucoup, je pense que 1500 feront l'affaire. J'ai pas assez, désolé. Non, non. Et juste parler, ça fait quoi?
Vas-tu me traiter comme un guerrier fou en te fiant à mon apparence? Non, non, c'est bon, tout le monde le fait. Ce n'est pas comme si je ne savais pas me servir d'une épée de toute façon. Mon père est un vrai criminel. Célèbre et tout. Mais moi, par contre, je préfère le tricot. Il fait du tricot, sans déconner, c'est rigolo. Ouais, on va prendre ça pour voir. Je suis très déçu. Mais vraiment. Lors d'un échange, j'augmente la vitesse d'attaque. C'est un peu dégoûtant. C'est le truc m'a juste roulé dessus. Et j'ai jamais eu des objets de magie, quoi. J'en ai eu un ou deux, quoi. C'est quoi, ça? C'est nouveau? Oh non, c'est les coffres! Oh, bordel, oui. Bordel. Oh non, je vais mourir. Ah... Bon, on va falloir faire tous les coffres. Hein. Clic. Ouais, de l'or. Clic. Oh non. Oh, mais sans déconner, je prends le coup forcément. C'est pas rigolo, ça. Clic. Oh, des os. Super, je vais pouvoir... Clic. Super, le poison, on adore. Bah, tant qu'on est empoisonné, autant faire les autres. Ok. Du quartz noir, gratuit. Des os. Eh bien, cette salle. Bonjour, je suis le monsieur qui va t'en mettre une gratuite dans les dents. Voilà, merci, je t'aime. Clic. Ah, j'ai la clé. De toute façon, il y a plein de trucs et... Et ça va. Je me sens bien. 20, la congélation. Pour l'instant, je me sens bien, donc je peux le faire, je pense. Ah, bon. On va faire quand même attention à notre vie, mais on est sur les derniers coffres, j'imagine. Oh, le clé. Exactement, c'est le clé. C'est le clé de tout ce mystère. Ah, ça m'ennuie pour le mini-boss, là, que je viens de me taper. Ah, il en reste un. Maintenant, vu que j'ai beaucoup plus de vie par rapport au début du jeu, ben, j'ai pu vraiment ouvrir tous les coffres. Et ça, c'est cool. Allez! Le grand coffre stupide, la grande clé est là pour t'ouvrir et révéler tes secrets. D'accord. J'espère que c'est vachement bien, cela dit. Ah, ça sent le troll. La plume du monarque corbeau. Lors d'un échange, je crée un vortex géant qui attire les ennemis vers son centre et inflige des dégâts magiques. Oh. Voyons voir. C'est pas mal. Mais malheureusement, ça sera peut-être un objet qui partira assez vite. Juste parce que, ben... Je suis, pour l'instant, pas ouf de l'échange. Ça servira plus... Ça servira, c'est sûr. C'est... Je dis pas que c'est une compétence inutile, l'échange. Attention. Mais j'ai du mal à jouer avec. Alors que ça peut être très fort. Tchouk. Ah! Le prédateur. Voyons voir. Ah ouais, c'est méga zwoosh. Un peu quand même. Azouche. Ouais. Yipillé. Oh, mais il s'arrête en l'air. Ah, punaise, je me suis refait avoir. Et du physique. Pour l'instant, c'est très bien. Mais j'ai plus de vie. Bon, déjà parce que j'ai perdu plus de la moitié en ouvrant mes coffres. Oh, oh non, le crâne de glace. Oh. Oh, je sais pas. Le golem d'acier, j'aime bien. C'est dommage, il y avait de très bons items. Oh là là. Il y avait beaucoup de choses à acheter, là. Zouzouche. Ah non, c'est pas le golem d'acier que je voulais, c'était le...
Le titan ou le cyclope, celui qui rajoute un... Comment ça s'appelle? Un bouclier. En même temps que je l'utilise. C'est celui-là que je pensais. Ah oh, non, bon, c'est pas grave. La vase, c'est non. La défense, c'est pas mal. Est-ce que je peux faire évoluer ça? Ça m'étonnerait. Elle va me demander 100. Ouais, voilà. Bon, on va faire touk. Et on va augmenter celui-là. En attendant. Voyons voir. Ah, il est très rapide, lui. Ça peut être cool. Pou pou pou. Pou pou pou. Check, 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 check. Aïe, pardon. Check. Check, 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 check. Ça manque de panache dans le gameplay, pour le moment. J'espère que quand je le passerai niveau 3, il y aura plus de choses, parce que là, check. Check, 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 check. On va essayer de gagner 1500 aussi pour filer au... Comment s'appelle au... À Monsieur Tricot. Avec ses petits osios, là. Mais j'ai pris le dégât alors que j'étais pas du tout dessus. Non, c'est pas grave. Check, check. Check, check, check. Check, 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 check. Je vais te faire pic-pic. J'ai pas tant besoin de la vie que ça. Oh, ça je le veux, mais tellement fort. C'est tellement fort. C'est fort. Les shurikens là, check, check. Non, ça c'est cool. Check, check. Bon, on va jouer avec ça parce que... C'est mieux que ce que j'ai pour le moment. Pas mal le prédateur en plus. Enfin, j'aime bien le masque de celui-là. Le vrai prédateur de Alien versus Predator. Bof. J'aime pas trop son design. Excusez-moi. Bon. Bon, de côté, je suis content. J'ai fini la troisième zone. De l'autre, bon, bah... Maintenant, va falloir réussir la quatrième sans mourir, quoi. Et là, ça va être dur. Je sais pas trop comment faire, cela dit. À part être meilleur. Check, check, check. Il est pas mal, le prédateur, hein. Il fait de bons dégâts. Hein. Il a une bonne allonge et tout. Mais pourquoi je prends pas la vie? Je suis bête, moi. Ça, c'est pas grave, bête. Non. Excusez-moi, je viens de mourir. Ouais, désolé, j'ai besoin de 2 minutes là pour moi. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. C'est pas évident. Hein. Voilà, pardon, on est reparti. Aïe, aïe, aïe. Mais je lance les shurikens. Ah oui, avec celui-là aussi. Ok. Allez, on va sur l'arbre. Le pauvre arbre. Oups.
Ah non, ça vient du centre. Ah, mais j'ai encore oublié. À chaque fois, je me fais avoir par celui-là. Voilà, le pauvre... Le pauvre arbre. Oups. Chic 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 chic. Voilà. Et j'ai pas utilisé ma quinquessence. Tu le massacres maintenant le pauvre arbuste. C'est vrai que c'est même plus de l'élagage là, c'est ouais, du non-respect envers nos amis les plantes vertes. Ouais, c'est pas très gentil. Ouais. Zouche, zouche. Tu l'as tué, bah. Désolé. Mais c'était soit toi, soit moi. Pardon. C'est maintenant que j'ai des objets comme ça, mais oh, c'est pas possible là, ce jeu. Il me fit des trucs bien après. Donc. Je suis très très bête, je n'ai même pas cherché à l'esquiver. Oh la vache, le pauvre, ce qu'il a pris. Ça fait plonk. Ah, la quintessence dans la tête là, elle a pas fait. Il a fait bien mal, le pauvre. Ça fait un gros bloc là. Ah, c'est drôle. De l'argent. Ça, c'est bien. C'est... Ah, déjà. On va enlever ça. Parce que c'est pas... Ça, au final, c'est vraiment pas ouf. Quoi. Ouch. Oh, il apparaît. Olé. Le guerrier avec Kratos. Ouais, vraiment pas mal le prédateur. Il mériterait un peu plus de vitesse d'attaque. Ou du moins que je lui trouve des items vitesse d'attaque. Ouais, comme ça là. Et tchac, 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 tchac. Là, j'ai pas de bons objets. C'est tout à l'heure que j'ai de bons objets de physique, mais au final, même en y pensant et en essayant de garder le... Ouais, bref, j'ai eu de bons objets physiques, mais même en regardant les crânes que je gagnais, bah, j'avais pas grand-chose. Toi, j'ai une vengeance à prendre sur toi, tu le sais. Voilà, vengeance. Fallait pas m'énerver. J'aime pas être énervé. J'en ai marre de... Ils vont me le refiler combien de fois, cette ceinture moisie, là? T'es sûr tu veux pas la ceinture moisie? Non, non, c'est bon, merci. Hein. Pour la 20e fois, c'est non. Je vais garder pour le prédateur. Ouais. On va essayer de garder pour le prédateur. On va prendre des objets. Ah là 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 là. Attention, le coup de poing, bam. J'aime beaucoup qu'on va y part très vite, le pauvre. Genre une heure. Ah, elle est détruite. Bam! Oh non! Ça c'est pas... Il est pas allé assez loin. Je suis très déçu. Le petit objet
Mais ça, je sais pas ce que c'est, cette boîte à la... hein. Mais c'est surtout, je prends la place de quoi? La plume, peut-être? Non, ça. Ça, c'est bien nul. Enfin, du moins, ça m'est pas très utile. Pardon. Ah, mais c'est le slime. Le slime, il m'augmente mes capacités, si j'ai pas de bêtises, lui. Pour de vrai. Pas comme... En fait, je te les augmente, au final, il me les change. Bah, c'était pas mal, ce qu'il a fait. Mais lui, je crois qu'il les... Non! Il dédouble un item! Oh non! Il va me prendre encore... Bon, la dernière fois, il m'a pris mon objet légendaire, mais... Là, je pense qu'il va malheureusement me faire du... De la nullité. Parce que mes objets sont pas fous. Ouais, voilà. C'est quand tu vois ça que t'as envie de te dire, mais bordel! J'aurais bien voulu ça pendant que je jouais à la faucheuse. Aïe, aïe, aïe. La nourriture, je vais voir. C'est quoi, ça? La salade de vin, j'ai 10 points de dégâts. Pur! Pur, c'est bien. Ah ouais, je veux bien ça, en vrai, moi. À la place de ça, d'ailleurs. Et je peux pas prendre le... La nourriture. Bon, on va prendre des crânes. Genre des dégâts purs, c'est plutôt bien. Hein. Je vais le répéter, des purs. Check, check, check. Oh la vache! Mais ce coup de poing, il est tellement drôle, genre BAM! MacBay. Ah, c'est Othello, cette fois-ci, c'est pas Macbeth. Tui. Boum! Check, check, check. Ah, faut pas avoir peur d'utiliser mes compétences. C'est bête à dire, mais... Moi, je veux gagner, au final. Je suis pas là pour cueillir des fraises, on l'a dit tout à l'heure. Je t'aime pas, toi, mais je t'aime pas, Comarché. Oh! Oula! Comment j'ai pas été touché par ça, moi? On va pas se plaindre. Je préfère ça que de rester coincé dans un caillou, n'est-ce pas, le dernier stream? La momie! Ah, déjà? Par contre, contre les deux, j'hésite vraiment à jouer l'autre. On va voir comment ça se passe. J'ai pas une résurrection. En cas maintenant, si. Hein. Zwoosh. Bam. Mince. Je l'ai pas vu venir l'autre. Bam! Ah! Oh, j'ai fait des... J'ai fait des bêtises. Mais j'ai pas esquivé. Oh là là. Quelle catastrophe. Non! Oh là là, pardon. Ah! Ah! C'est bon. Et boum! Non, non, non. Faut vraiment que je l'éclate, là. Oh, non. Faut que je trouve la bonne. C'est pas elle. C'est elle. Oh. Yeah. C'était pas la bonne. Voilà. Comme ça, au moins, je l'ai fait phaser. Elles sont vraiment dures, elles, quand ils pensent à s'en déconner.
Elle est tellement pénible, elle va trop vite. Oh, punaise. Ah non, non, non. Ah mais c'est pas possible. Ça me fatigue tellement cette attaque, mais ça me fatigue tellement. C'est pas un boss qui est dur, c'est juste qu'elle est très rapide. Oh non. Mais j'étais pas dedans. Oh, c'est pénible. Si encore j'étais dedans, oui, mais là j'y étais pas. Mais tu vas le faire encore combien de fois? Allez, vas-y, dedans, là. Mmh. Petit gâteau, on adore. Hein. Allez, elle va le refaire. Je vais encore me faire avoir. Voilà, sinon c'est pas marrant. Tiens. Ah, qu'est-ce qu'elle est pénible avec cette attaque, là, quand elle fait les traits partout. Je ne sais pas comment l'esquiver. C'est dommage. Bon, je suis vivant, je vais pas me plaindre, mais... C'est un peu pénible. Faut le dire. Et j'ai pas assez d'os pour augmenter mon prédateur. C'est pas grave. On va viser les objets, on va essayer d'avancer. Ah, mais là, je vais jamais les atomiser autant que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est vraiment... C'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais lâchez-moi la grappe avec ce truc. Boum. J'étais dans les rayons laser, mais quel idiot bête je fais. Mais comment ça se fait que ça l'ait créé? Il était mort le machin! Oh là là! Bah, je suis mort en fait. Quoique. Il reste l'arbre. C'est dur, hein? Bim! Ouf! Vite, donne-moi la vie! Un demi-burger, c'est mieux que rien. Et je peux pas acheter d'objets. Bah, mais quelle galère! J'ai envie de l'acheter, ça rien que pour le nom, quoi. La roue de la charrette! Aïe! Dur, hein, d'être un prédateur. La survie est forte là, j'essaie vraiment de m'en sortir.
Et vite. Non mais c'est pas vrai, mais... Yes, bien joué. Ah, de la vie qui m'attend. Je fais pas assez de dégâts, c'est incroyable. Je leur fais pas assez de dégâts, ils invoquent quand même le machin. Oh, c'est bon. C'est raide, hein. Oui, donne-moi de la vie, donne-moi des herbes, donne-moi ce que tu veux, je m'en fiche. Donne-moi un rosier, je... Donne-moi même une pâquerette, une ortie, un truc. Oh là. Encore le champion ? Moi non. On va invoquer le machin pour contre eux là. Et après on va. Ouais, ok, alors ninja prêtresse, c'est non quoi, c'est un grand nom. Ah, c'est un grand nom, ninja prêtresse. Oh, tant mieux. Allez, allez. Oh, bordel. Un, ce serait bien, voilà, merci. Maintenant on connaît. Ah, t'es pénible toi, hein. Tu le sais, bim. Ah, il a disparu avant quoi. Mais il veut pas mourir, le pauvre. Hein. Boum. Ah, eh bien. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. L'armure vivante, c'était cool. L'hydre, régénération. Utiliser la quintessence pour invoquer une tête d'hydre. Celle-ci crache un souffle d'acide. Cette quintessence peut contenir jusqu'à 9 charges. Et je peux donc mettre 9 têtes d'hydre. Je vais le prendre. Je vais le prendre, ça peut être très très cool. Cool, je vais devenir méga prédator. Oui. Laisse-moi devenir le méga prédator. Soy prédator. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est moche. Les instincts d'instructeur. Bon, voyons voir son pouvoir. Lorsque les ennemis sont vaincus, augmente la vitesse de lancement de 10%. Lorsque le nombre maximum d'utilisation de la compétence est atteint, cela réduit considérablement le rechargement de la compétence correspondante. C'est pas... Ouais, ouais, il est pas génial, hein. Je suis désolé. J'en suis même un petit peu déçu. Après, il fait mal, tout ça, mais... Quel beans. Ça a été rude là. Accélère au chargement du sprint. Et des vrais objets un jour, c'est possible ou pas là? Je comprends pas mon pouvoir en fait. Je vois des enfin, je vois des chiffres. Je vois des numéros qui s'affichent sur mes compétences quand je les utilise. Mais je ne sais pas ce que ça fait en fait. Là, je suis arrivé à 4, je sais pas ce que ça fait. Là, il y avait écrit 6, je sais pas pourquoi.
Oh, mais c'est pas vrai, pardon. Ouf. J'aimerais bien essayer d'aller loin, cela dit. Ça va être dur, ce jeu. L'archer. C'est quoi? Le taureau crétois. Lorsqu'un crâne de puissance sprint, il invoque l'image d'un taureau qui inflige des dégâts physiques, augmente la distance de sprint. Oui, bof. De bons items. C'est rude. C'est très très rude, ouais. J'éprouve des difficultés. Mais j'ai fait n'importe quoi là. Meurs, arbre. Meurs, monsieur. Oh là. On est bon? Ou il y a encore des ennemis? Non? Allez. Ouh! Ce petit pic, hein, toujours pour moi, c'est vrai. Je suis. Ouais. Je suis moyen déçu du Predator au final, si je peux le changer. C'est quoi ça? Oh là là, je sais pas si c'est mieux. Oh non, non, j'ai dashé dessus, mais... Heureusement que j'ai un shield, mais je fais n'importe quoi. Waouh, 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 yippie-yo, yippie-yé. Ok. Non, 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 mais... C'est pas possible. Oh, mais filez-moi un bon item, faites un truc. C'est fou. Mais là, c'est juste pas possible. C'est malheureusement juste impossible de gagner là. Je vais mourir sur la chimère. Encore. Alors déjà, on va faire ça. Et puis, ya, 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 ya. Allez-y, mes hydres. Tue-les. Mes hydres, elles restent pas longtemps. Je suis assez déçu de ce pouvoir. Ouais, non, les dégâts, c'est pas ça. Il y a... Non. Ça va pas. C'est mort, hein. Je vous le dis, c'est pas... Pas pour vous embêter, hein, c'est juste que là. Là, il y a trop de choses à l'écran qui se passent. C'est pas bon du tout. Voilà, pouf. Ah, mais non, mais je ressuscite, j'avais oublié. Ah, j'aurais pas dû abandonner, je suis un peu bête. Bon, j'abandonne pas. Ok, bon, là, ça a été. Là aussi, c'est difficile. Ah ben, j'ai tout pris dans la tête. Tant pis. Bon, le prédateur, ben, plus jamais. Mais, on va pouvoir voir ce qu'il nous tricote. Allez, c'est parti. Oui. Merci, je devrais pouvoir acheter du matériel avec ça. Quand tu reviendras, ce sera réparé, fais-moi confiance. Bon, j'espère que c'est un investissement vraiment sur le long terme et que ça va être utile, parce que... Sinon, je pleure. On va jouer un peu le voleur, allez. La tablette qui est bien. L'attaque magique, tiens donc. Bon.
L'attaque magique est pas mauvaise, cela dit, je crois. Excusez-moi, le hockey. Ah, mais ça, c'est complètement un truc pour le clown. Un clown build critique, c'est très fort, là. Bon, on va faire ça. Check, 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 check. Ouh, je cours vite. Pardon. Aïe. Ya, I am Lord. Bonjour. Check. Ah oui, là, avec la vitesse d'attaque en plus. Oh là là. Il aurait fallu le prédateur avec cette vitesse d'attaque en fait. Mais bon, c'est pas possible. Mais moi je veux le joueur. Ah, le loup-garou, il est pas mauvais. Enfin, ça dépend comment. Il a une bonne vitesse d'attaque lui aussi. Mais ouais, plus j'en joue et plus les crânes de puissance. Qu'est-ce que c'est pas bon? C'est pas que c'est pas bon, c'est que j'aime pas du tout comment ça joue. C'est genre, je mets un grand coup, je mets 20 000. Mais ouais, mais j'aime pas. Je fais plein de petits coups à 10 000. C'est mieux. Enfin, moi je préfère. Chacun son style de jeu, après, s'il y en a qui aiment bien jouer crâne de puissance, ben je vais pas du tout les leur dire, mais vous faites mal le jeu. Parce que bon, vu le peu que j'arrive à en faire de ce jeu, ben, je peux pas me permettre de critiquer les autres. Voilà. Là. Par contre, j'ai du fric, hein. Ça, ils m'en ont filé bien, hein. Pardon. De la vie, alors. Toujours ça, hein, on te file vraiment l'objet moisi, t'es sûr que tu le veux pas? Aïe. Sapristi, tu es fort. En route pour Sapristi. Aïe. C'est bien, en plus il me file un indice, reste où tu es. Bah oui. Aïe. Allez vite. Ah, punaise, il l'a fait. Aïe. Ben voilà, impec. Encore le loup. Non, je veux bien des critiques, ouais. Vu que j'ai une dague cérémoniale qui joue sur le critique. Si j'arrive à choper le clown... Bon, je sais que je vous embête avec mon clown, mais là, franchement, j'ai un bon stuff pour, quoi. Genre, vraiment. Ça serait dommage de pas en profiter, en fait. Qu'est-ce qui fait de la magie, là, dans mon stuff? 10% de chance de récupérer de l'or. L'or laissé par les ennemis explose et inflige des dégâts magiques. Ah! Donc là aussi, ça peut être fort. Avec lui. Genre, vraiment. Ah, vraiment. Enfin, du moins qu'il y a plusieurs ennemis. Sur un boss, ça ne fonctionne pas, ce genre de truc. Check. Je vais partout, je suis un vrai ninja. Le crâne d'eau, c'est non. Hein, ouais. Peut-être une autre fois, mais là, non. Ça me tente pas trop.
Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Tu me fatigues, toi. On va faire des boules de feuilles. Très rigolo. Check, 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 check. Mais là aussi, heureusement qu'on peut augmenter un minimum nos caractéristiques via le quartz noir. Hein. Parce qu'il y a des crânes. Les dégâts de sprint. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais, je vais prendre ça. Et est-ce qu'on reprend le golem d'acier? Ouais, le coup de poing était bien, en vrai. Enfin, on suis pas trop mal débrouillé avec. Faudrait que je drop un crâne légendaire pour monter celui-là. C'est vraiment fort. C'est vraiment fort d'avoir le voleur de niveau 3 assez vite, je trouve. On sait jamais, déjà, ça me permettrait de le tester, enfin une fois. Dommage. Après, pour l'instant, ça se passe bien, j'ai pas trop trop à me plaindre, hein, au niveau de... Boom. Là... Avec lui, ce serait peut-être intéressant aussi d'avoir l'objet qui dit que dès que je tape par derrière, je fais un peu plus de dégâts. Bon, ça c'est pas mal. Vu que je saute un peu partout en ce moment. Ça peut bien comboter avec la bombe, bon. C'est pas des objets incroyables, c'est vrai. Hein, mais bon, ça peut aider. Des trucs qui synergisent un petit peu, ça fait du bien, quoi. Oups. Ça va un peu vite. Hein. Aïe, 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 aïe. Mince, pardon. Oh! Idiot bête. J'ai pris 26 PV gratuits. Bon, pas grand chose, c'est dommage. J'aurais pu les esquiver. Cool! La vitesse d'attaque. Dès que je tue quelqu'un, c'est très bien ça. Avec monsieur. Et je peux pas l'augmenter, c'est dommage. Il manque 10 os. Oups, je suis un peu trompé, je crois. Aïe, 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 aïe. Ouais, non, en fait, c'est pénible. Aïe, 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 aïe. Vout, 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 vout. Ouais, c'était rigolo, mais j'ai pas fait du tout attention à ma vie. Donne-moi les crânes. Qui valent le coup. Oh cool. Mince, je l'ai raté. Oh. Ah, le retour de la faucheuse. Ah. On verra. Pour l'instant, j'étais bien avec ça. Je me dis que en cas, j'ai la faucheuse. Allez, on va dire ça. Au moins la vitesse d'attaque. Ah ouais, d'accord, merci. Ah oh, punaise, c'est très très fort. Ouais, une faux en vitesse d'attaque, c'est vraiment bien. Ah oh, la vache. On revient sur du un peu cassé. Et j'ai le zwoosh. Et j'ai le feu. Ouais, d'accord. C'est bien. C'est très très bien. Une bonne quintessence, 2-3 bons objets, et on peut faire un stuff vraiment bon, là. Allez, on va essayer de...
pas faire de bêtises. Lors d'utilisation d'une compétence, crée une tempête de mana qui s'enroule sur elle-même et affiche des dégâts magiques. Bon, on va le prendre, hein. C'est bête à dire, mais pour le... Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, ça peut être très fort. Donc, c'est parti. Ah, y'a, y'a. Ouais. Ouais. La tempête de mana... Ah ouais. C'est... Ouais. Là, c'est fun. Hein. Non merci pour l'alchimiste, même si très très bon crâne. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé jouer à l'alchimie sur les premiers streams. C'était très très fun. Oh cool! Voyons ce que tu me dédoubles toi. Bon ok. On va d'abord s'occuper de lui, je reviens. Alors, montre-moi ce que tu me donnes. Ah ouais, mais là, s'il y a mort, je vais faire... Ah, du physique, je dis pas non. À la place de ça. Ouais, là, ça peut être très drôle, là. Ouais, c'est rigolo, là. Ah, oh, mais... On va prendre des os. Ouais, très, très rigolo, ouais. Allez, vas-y, donne-moi mon niveau 3. Wow. Qu'est-ce que c'est? Se téléporte derrière l'ennemi le plus proche et le frappe avec sa dague qui inflige des dégâts physiques. Et un effet d'étourdissement, gagner 3 pièces d'or par les ennemis affectés. Et après, bah, ça devient invulnérable comme tout à l'heure. Ouais, c'est pas mal. C'est là, j'avoue, qu'on peut rigoler un petit peu. Oh non! C'est bon. Okay. Qu'est-ce de là? Oh! Tous les projectiles explosent au contact. Je le veux. Je le veux à la place de ça. Même si ça baisse mon attaque physique. Je m'en fiche. Ouais, bon, là, petit ninja chick-chick, hein, quand même. Hein. Oh la vache! Oh, de la vitesse d'attaque! Non, mais arrêtez. Le jeu va exploser. Je le reconnais là, le jeu va vraiment exploser. Aïe 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 aïe. Je sais même pas. Je sais même pas où je vais, c'est limite dangereux que je tape trop fort et trop vite. Waouh, c'est quoi ce quintessence? Balrog. J'aurais bien voulu avoir ça. Ah c'est limite le bordel. Ya. Aïe 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 aïe. Tchic. Tchic. Ouais non c'est. Là c'est débile. Là c'est drôle. C'est très très drôle cela dit. Oh non il m'en manque 10. Ah merde pardon, il m'en manque 18. Ah ouais, mais complètement, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, et tchic tchic tchic. Ah, tout. Là, il y a tout en même temps. Mais les deux, je vais pas le faire avec la faux, mais avec lui. Mais les deux, là, elles risquent de prendre très très cher. Oh non, le motard. Tchic 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 tchic.
Oh non, pas toi. Ouf. Toi, c'est non. J'essaie de me concentrer un minimum. Hein. Parce que ça arrive bientôt là, les deux, je veux pas prendre trop de dégâts maintenant. Tac 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 tac. Ah, le clown avait cette vitesse d'attaque là, mais quelle jouissance, ça c'est. Ça aurait été incroyable. Hein. Aïe 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 aïe. Oh, qu'est-ce qu'il a congelé? J'ai un truc qu'on j'aime. Depuis quand? Donne-moi un objet, s'il te plaît. C'est pas le meilleur, hein. Non, pas du tout. Satané archer. Oh là. Non. Je suis désolé, mais c'est non le prédateur. C'était pas génial au final. Zouj, 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 zouj. Bon, j'espère que je vais leur mettre beaucoup de dégâts dans les dents. Et si ça fonctionne pas, ben je sortirai la faux. Je pense que je peux vraiment bien m'en sortir. Oh, au final, je lui mets pas trop de dégâts. Mince, j'aurais pas dû me mettre là. Eh ben, décidément, elles veulent pas mourir les deux. Ouais, je sais pas trop quoi jouer en fait là pour essayer de les avoir très vite. Mince. Décidément. Ah mais j'avais pas vu les dégâts. Ah. Nice. Wouhou. Ah. C'est vraiment compliqué. Qu'est-ce que c'est que ça? L'attaque magique. L'attaque magique. Oui. Je veux l'attaque magique, oui. Merci. Pop. Ce petit bug est incroyable à chaque fois. Ah.
pas assez de crâne pour augmenter mon machin. Mais je veux. Ouais, maintenant, je veux vraiment augmenter... Paf ! Aïe, oh oh. Ouais, je veux vraiment augmenter ma... Ma faucheuse, maintenant. Je pense que je peux le faire. Ouf. Mais c'est nul! J'ai plus besoin... J'aurais plus besoin de trop de vitesse d'attaque, ça veut dire. Oh, mais c'est nul! Et check. Et bluff. La boîte, la boîte. Ouais, mais non, pas la boîte. Elle me gonfle, la boîte. Oh, la baguette de Manatech. Qu'est-ce que c'est ? Ça coûte tellement cher. Ouais. Ah ouais, non, ça m'a coûté tellement cher. La tempête de feu. Allez, on change. Aïe! Bam 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 bam. Ouais, non, là, je leur roule un petit peu dessus. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On va pas se plaindre. Oh! C'est le grand sorcier. C'était quoi déjà le grand sorcier? Ah oui, ça. C'était pas si mal, je crois. Aïe, yeah. Ouais, c'était fort le grand sorcier, c'est vrai. Mais je vais augmenter monsieur. Check. Voyons voir, Ifrit. C'est pas si ouf, Ifrit. Oh, ça va, le délai est très correct. Donc non, ça va. C'est pas fort fort, mais en même temps, c'est pas non plus... Mais le feu, mais c'est incroyable, hein, c'est... Une des meilleures capacités du jeu, je crois. C'est, tout le monde brûle, c'est incroyable. Everybody do the burn. Tout le monde brûle. Aïe. Tout le monde décède. A chick. C'est très fort, c'est très fort. Ah! Oui, bah ça, je suis désolé, mais oui. C'est un peu oui, ouais. Casse-toi la boîte. En vrai, casse-toi la boîte. La vie, là, ça peut être très très sympa. Surtout qu'il y a... Oh, non. Bon, c'est pas les pires, il n'y a pas de régène, mais... J'ai un peu fait du caca là. Allez, allez. Ah, punaise. Ok. Monsieur Ninja maintenant. Vas-y, atterris là. Badadadadam. Au revoir. Check. Oh, le ninja. Archidémon. Ah, putain. Je vais l'apprendre. Allez.
Ça m'embête, j'aurais pu augmenter le voleur à fond, mais non. J'ai vraiment envie de voir ce que... Bah, l'archidémon de souvenir, c'est très fort. Check. Voilà, déjà ça, ça dégage. Oh là là, mais ce que je leur ai mis, qu'est-ce que c'est? L'os du courage. Amplifie les dégâts de la prochaine attaque physique, toutes les 3 secondes. Oh, punaise. C'est très très fort. On va prendre le dernier crâne, allez. Et le feu. Ouf. Vite. Vite, vite, je prends trop de dégâts. Ça m'énerve. Oh là là, oh là là. C'est bon. Il s'est passé des trucs. Ok. C'est bon pour mes crânes. Comme ça, moi, j'aurai un succès. C'est bien un succès. Allez. On va mettre du feu partout parce que là, là, c'est la fête. Ah, c'est incroyable. Oh non. Voyons voir l'archidémon. Waouh! C'était plutôt fort. Tu m'étonnes qu'à mettre longtemps à revenir. Oh non, j'aurais pas de vie. Oh non, je les ai pas vus faire. C'est bon. Ouf. Ah, je les ai pas. Je les ai fait pas. Oui, oui. Bien joué. Le mec ne sait plus parler. Un esprit. Deux esprits. Mince, j'ai pas assez d'argent. Parce que de toute façon, si je le prends, je le mets à la place de quoi? Bah, de ça. Parce qu'au final, c'est que... C'est... Enfin... Ce n'est plus que 10%. C'est ça, la vraie phrase. C'est pas nul. Ouais, non, là, c'est... C'est le feu d'artifice, là. C'est incroyable. Mais en 1v1, c'est nul. Mais alors, en 1v versus 20 000, là, ouais, c'est... C'est très très fort, ouais. Oh, mais j'ai pas vu le dernier m'exploser au visage, tant pis. Ah, my face! Un jour, j'aurai aussi assez pour avoir le truc qui dit que je peux revendre mes objets que je trouve. Ça, ça va nous mettre très très bien dans le jeu. Mais alors... Très très bien. Et chic! Et le feu. Là, ma faux, elle est... Enfin, ma faucheuse, elle est un petit peu forte. C'est vrai. Mais est-ce que je vais réussir? Ça... Par contre, j'ai de la vie. J'ai de la vie pour machin. Dès le départ, je vais faire ma quinquintessence, là. Je vais attendre que mon pouvoir revienne. Ok. Ah, dès le début, quinquintessence, j'espère qu'elle va prendre beaucoup de dégâts dans la tête. Genre, bonjour, au revoir. Voyons voir. Oh la vache, oh la vache! Bah, elle a pris un tiers de vie, j'espère que t'es contente, hein, madame. Mais qu'est-ce qui s'est passé, sans déconner? Et chic! Ah, la quintessence, si... Si je peux lui mettre la deuxième dans les dents, ça me va. Oh, cette boule. Oh, le feu, le feu, le feu. Ne pas prendre les trucs dans la tête. Mazout, ne pas se jeter dedans. Je peux rester là. Oh, mais ça me retombe dessus. Oh. Bon, j'ai pris que 12, mais... 12 plus 12 plus 12 plus 20 000, ça fait pénible. La quintessence arrive. Allez.
Yes! En plus, il y a tous les caca là. Mourez! Par le feu, soyez purifiés! Non, non, non. Yes, yes, yes! La faucheuse, elle est rigolote, elle gagne, oui. Qu'est-ce que c'est que ce masque? Le masque de Nincha. Augmente les 40%. Ah ben voilà, ben les dégâts par derrière, ça aurait été... Enfin, c'est bien pour mon voleur, mais... J'ai pris des objets beaucoup magiques en ce moment, donc on va passer. Mais je vais l'augmenter l'autre, hein, pour... Aïa! Pour avoir le Aïa de niveau max. C'est parti. Petit succès, là. Comment il va s'appeler? Le roi des ruelles. Il est très joli. 20% de chance de récupérer 3 pièces d'or en attaquant l'ennemi. L'or laissé malin. Roulade augmente la distance de sprint. Elles ne peuvent pas être enchaînées. Ah merde. C'est rigolo. Il est très joli comme ça. Ce que j'aime bien aussi dans le jeu, voir l'évolution des crânes. Si j'aurais voulu voir par exemple l'évolution de la faucheuse, ça aurait été marrant. Tu redis toujours la même chose? Oh non. Oui, le javelot tout seul, oui, on a compris. Il va me falloir de l'or et trouver de bons trésors. Donc, c'est parti. Ok. Ouais, j'ai peur que mes dégâts là soient pas assez forts sur ce. Sur genre de niveau. C'est quoi ce bruit qu'il faisait? Oh, toi c'est bien, tu me donnes des os. Mais c'est dommage. J'aurais voulu un deuxième loup. Un deuxième loup pour avoir de la vitesse d'attaque ou des dégâts accrus. Alors, oui, normalement ça va être des... Ouais, c'est ça. C'est pas grave. C'est mieux que rien, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est que ces statues-là? Ah. Et check. Mais enfin, je te vois maintenant. T'es mignonne, mais... Je sais qui tu es. Tu es une vilaine margouline. Pardon. Mais là, je comprends pas ce que je dois faire. Je sais même pas si les boules de feu... Ouais, si les boules de feu me font des dégâts. Très bien. J'en ai pris une, maintenant je le saurai. Le feu. Aïe. Zouche, zouche. Je suis la porte de la mort. Ça, c'est fort, hein, sans me déconner. Ouh. Oh, un objet légendaire. Sans déconner. Ah, le sprint augmente l'attaque physique de 100% pendant une seconde. Donc ça, c'est vraiment un objet légendaire. Non, arrêtez, vous m'embêtez. Vous dites les bêtises. Vous dites les bêtises pour m'embêter. Jake. C'est pas possible, vous dites les bêtises. Jake, Jake, Jake. Ah, de la nourriture. Pratique. Non, 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 non. Ils vont me mettre des coups pendant que je parle à Marie-Louise. Marie-Louise les herbes, là. Ouh. Et elle m'a donné le fruit de l'âme. Check, 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 check. Check, 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 check. Eh, hey, mais, eh, hey, oh. Non mais ça va, la tête, oui. Oh là là. Bim badaboum bim boum. Papadapapa. Pardon. Mais arrête. Il est pénible, lui. Check. Non mais... Mais j'ai pris des dégâts pour rien. Et mon fruit de l'amour. Ah. Oh. Purifions-nous. Ça
pas grand chose vu que j'avais que un, mais. Ding! C'est le room service? Aïe! Encore? Mais! L'autre, il m'a envoyé juste un petit couteau, là, j'en tenais. Salut, chic! Oh, mais... Barrez-vous, con de mime! Mais il y en a encore, mais... Oh calmez-vous. Ah, check. C'est une zone très rude, hein. J'ai pas besoin de la vie, ça c'est cool. Alors. Oh, l'utilisation des compétences réduit leur temps de rechargement. Non. Et on retombe sur l'os du courage, et là on a droit à l'ombre du roi démon. Non. Bon, ben voilà. Youpi, j'aurais dû prendre la nourriture. Oh, ouf, je me suis fait toucher par beaucoup trop de trucs là. Vous ne me toucherez jamais! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce Cthulhu de lumière. Oh là là, je prends trop cher. Arrête avec ton ding-ding! Oh! J'ai cru que j'allais mourir. J'aurais tellement dû acheter la nourriture. Qu'est-ce que je suis bête? Ah! Un bouclier d'une valeur de 10 en se concentrant. Et je supprime. C'est dommage. Ouf. Oh non. Jack. Oh mais foutez-moi la paix, merci. J'avoue que je suis pas très bien. Déjà, j'ai pas de vie. Et oh non, je vais arriver sur le boss, je vais avoir 2 points de vie. Voilà. C'est ainsi que se finit l'histoire de Fauchy, la petite faucheuse. Quoi. Mais c'est pas vrai d'être aussi bête. Ouais, j'ai 2 points de vie, comment tu veux résister à ça? Certes, je vais ressusciter, c'est bien, mais il va me défoncer, le type. Je me re-purifie. Ah, il va me dire non. Oh, mais c'est l'archère, maintenant! Misérable squelette, ne bouge pas, je vais t'achever d'un seul coup. Attention à la tête. Ah, elles explosent. Oh, oh, oh. Ah, elle est très très vénère. Ça y est, j'ai ressuscité. Trop bien. Oh non! J'ai sauté dedans. Waouh, mais ces boss-là, ils sont énervés. Ah, ils sont plus qu'énervés, c'est chaud, hein. On va prendre celui-là. J'ai bientôt fini tout mon truc d'évolution, oui. Pourquoi j'ai pas pris ça avant? Je suis bête, moi. C'est bien l'incandescence. Ça va, toi? 5000! Mais, qu'est-ce que tu veux? Genre, c'est quoi que tu reconstruis?
Jean, s'il te plaît, aide-moi. Bon, j'en fais une dernière. J'en fais une dernière et après j'arrête. Je suis un peu fatigué à cause de... À cause de choses, là. Mon rhume. Ma sinusite. Ah, dommage. Dommage, dommage. Mais ils sont super chauds, les... Ah là, les types, ils étaient super énervés. C'est, ils aimaient pas trop la vie, là. Oh la vache. Mais c'est bien, parce que je peux ressusciter. J'ai débloqué pas mal de trucs passifs. Là, maintenant, je vais pouvoir acheter les... Vendre les objets que je veux pas, enfin c'est bien. Hein. Attends, mais c'est quoi les dégâts qu'il met lui? Babababam. Pipapipam. Aïe aïe aïe. Bon, c'est bien, on arrive à la quatrième zone, mais alors maintenant on a un nouveau boss qui nous refait. Voilà. Pour être poli. Imaginez ce que vous voulez. Faut que je lise un truc. C'est quoi ma capacité? Moins les dégâts d'attaque et de sprint. Ah, ok. Ça par contre, quoi. Bref, c'est pas... C'est bien, mais... C'est pas non plus... Voilà, hein, le... Ouais. Par contre, il est très fort, l'ancien. Da 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 da. Ah, en aérien quoi, da 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 da. Les coups de targe qu'il met. Jean Targe et Jean Fleuré. Da 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 da. Mouda mouda mouda. Au revoir. Da 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 da. Ok. Je suis content parce que vraiment la semaine dernière j'étais parti avec vraiment un goût amer dans la bouche. J'étais vraiment dépité de ne pas y être arrivé comme je le souhaitais. Donc aujourd'hui que j'arrive au moins à la quatrième zone, je suis content. Certes, je me fais fracasser. Elle avait pas trop de chance. Mais alors pas beaucoup. La momie, le nain, on prend ça. Pour le début, c'est très bien. J'ai pas mal de vie. J'augmente au niveau 2. Voilà. Oh, j'ai ma petite houppette là, mais ouais. Houppette 10. Ta 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 ta. Oh, bababam. Pouette, 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 mince. Okay. Et non. Il me faut des os pour augmenter mon pouvoir. Bon, au final, le voleur était... Enfin, je pense... J'avais un bon stuff. Dès que je tuais quelqu'un, j'avais... Mince. Ouais, il fallait vite que je le tue. Oh. Ah, c'est pour ça, ils avaient bouclé que j'arrivais pas à les arrêter pendant qu'ils me tapaient. Alors que je me suis quand même d'habitude. Le petit voleur. Le petit voleur, oui, oui. Ouf.
la petite potion qui fait que j'explose pendant que je me fais toucher, c'est fort là. La vitesse d'attaque, Ouais, bon. On va prendre ça. Dommage, je peux pas. Parce que j'aurais tout pris. Vu que j'avais de l'argent. Oh, on va le faire ça. Ah, je le veux. Oui, c'est une bonne occasion. Allez, go. C'est la concentration pour ne pas faire trop n'importe quoi. Oui! La robe du prêtre noir. Crée un bouclier de 30 PV pendant 30 secondes lorsque les PV tombent en dessous de 30. Et rechargement 90 secondes. Oh! C'est bien! On prend. Même si on le changera plus tard, j'imagine. Mais ouais, c'est pas mal. En plus, je suis allé très vite. C'était une sacrée bonne affaire. Pour avoir perdu même pas 30 points de vie, là. C'est vraiment bien. Mais comment ça se fait que je les atomise déjà, là, comme ça? Augmente de 40 la distance de sprint. Le sprint a 30% de chance de réinitialiser son chargement. Bon, bah oui. Pour l'instant, on prend, hein, on revendra quand on sera plein. Hein. Même si, bon... deux objets sur les boucliers et le sprint, bon, je m'en fiche un petit peu, c'est vrai. Da-da-da-da-da-da-da. Mon da-da-da. Da-d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 a. Aïe, 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 aïe. Bam. Bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim. Non! Oh, c'est bon, j'ai pas pris des dégâts. Je crois que j'ai fait un sans faute là aussi. Je me souviens pas avoir pris de dégâts sur l'arbre. Yeah! la volonté croissante, encore un bouclier. Mais lorsque je me concentre, sauf que j'ai pas de concentration avec lui. Ouais, les sprints sont considérés comme des attaques, c'est ça. Par contre, j'ai pas d'os, là. Bam. Et on veut des crânes pour augmenter notre pouvoir. La 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 la. Aïe ya. Bonjour. Pif pif pif. Ok. Oui, je gagne. Oh, le motard. Mais c'est pas grave, il me faut des os. Ah là là. Badabadabam. Ça y est, là, je suis énervé. Je suis un peu plus nerveux sur ma... sur ma manette et je fais pas trop n'importe quoi. Je suis en bonne condition. Je suis en très très bonne condition pour faire des trucs bien. Oh. Avec plaisir. Ça. Non, on va garder. Je vais voir ce qu'il y a là. Lors d'un échange, non.
c'est de l'attaque magique. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je tape en physique. D'ailleurs, quand vous voulez pour me filer des objets qui tapent physique, hein, parce que bordel... J'ai l'impression de me faire avoir, là. Oh mince. J'ai raterri dans les piques. Mais... j'étais pas du tout dedans. Oh là là, mais... heureusement, j'ai des boucliers. Ah, j'ai pas fait les choses bien hein, sur cette salle. Oula. Ah non, là, je fais n'importe quoi. Ça m'a tellement trigger que... voilà. J'ai dit, hey, je suis en bonne composition. Et maintenant, je fais du caca. Ah là là, quel noob. Je suis le noob, oui, c'est moi, monsieur noob, oui, 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 oui. Je suis monsieur noob. Je suis monsieur noob. Je le revends, parce que ça, je m'en fiche un peu. Même si c'est fort, je ne tire pas de passif sympa. Oh ! Oui, le loup. Le loup, la loup, je sais pas, on verra. Mais c'est trop ma copine ou mon copain. Ou ce qu'il veut d'ailleurs, je m'en fous. Bam ! Allez, dis-moi. Dis-moi ce que tu veux. Bah, c'est un porte-parole, donc je sais pas. Augmente la vitesse d'attaque. Pardon. C'était marrant. Lui, j'ai envie de le garder quand même. C'est un unique. Il est pas... on peut pas le faire évoluer, lui ? Je sais plus. Je veux juste voir comment... oui, il est top magique, on s'en fout. Ouais, on revient là-dessus. Sapristi. Ouh la vache, ce qu'il m'a mis, lui, c'était pas marrant. Hein. Mais... allez, ça y est, je fais n'importe quoi. C'est parti. Je me fais toucher partout. Mais c'est dingue. Hein. Mais... ouf! Mais étonné. Allez! Ok. Ouf! Oh l'arbre! Je prends les bottes parce qu'elles filent 25% de vitesse de. D'attaque physique en plus quand même. Oh non, mais je me retrouve là et j'ai rien quoi. Ah! Je voulais voir s'il pouvait évoluer, lui. Ah oui, il peut! Wow. Eh ben... ouais... ouais, il me faut vraiment des crânes, là. C'est pas normal. Là, j'en suis un petit peu. S'il faut être honnête, j'en suis un... j'en... s'il faudrait vraiment que je passe niveau 3, parce que... c'est pas cool. J'ai l'impression de perdre vraiment beaucoup de DPS à cause de ça. Alors certes, c'est pas le pire. Hein. Je m'en sors très très bien. Sauf sur le boss, là, j'ai un peu fait n'importe quoi.
Mais j'avoue qu'un peu de DPS en plus serait vraiment sympathique. J'ai l'impression de me faire un peu avoir. Pourtant, j'ai de l'or. Bon, on prend la vie, tant pis. Oh, le ninja. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Et ça, c'est nul. Ouais, trop bien. C'est quoi, ça? Eh bien, monteuse vie. L'explosion de mana. Bof. Après, je peux réapprovisionner. Avec tout l'argent que j'ai, oui. Pourquoi je le fais pas avant? Je suis bête, moi. On va enlever ça. Et on... Ouais, t'as compris. Les dégâts purs à la place de ça. Et... Ouf, non. Ça coûte cher. Au revoir. Hein. Qu'est-ce qu'elle a pris, elle? Elle a pris un mini-vie gratuit. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle, à la pauvre? Elle a rien demandé. Elle a pris Bagdad Café. J'ai peut-être fait des bons achats d'items. Hein. Je veux pas foutre le caca, mais oui, là j'ai pris des objets qui valaient le coup. Ok. Ouais, non, mais je tue les bonhommes avant même qu'ils puissent faire leur boule. C'est plutôt cool. Ah, j'espère que je vais pouvoir avoir les filles bien comme il faut. Oh! Ah! Super! Alors, ça peut être bien si t'as quelque chose pour, en fait. Bon. Tant pis pour toi. C'était pas mal, le peu que ça a duré. Et encore. Sapristi! Je comprends pas, parfois ils prennent des coups les types gratuits. Genre ça les atomise quoi. Je comprends pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, hein, je vais pas me plaindre. Le motard! Allez, au moins. S'ils veulent bien me filer un crâne, j'aurai mon piqué niveau 3 sur les salles de l'alchimie. C'est pas mal. J'aurai pas pour les deux pains bêches. Et oui, je suis... Le bombardier squelette, mais c'est vraiment pas bon, hein, sans déconner. Hein. Je sais pas qui veut jouer ça, mais... Pour l'instant, moi, j'ai pas trouvé l'utilité du machin. Hein. Bon, là, par contre, on va pas rigoler, c'est ça? J'ai pas une quintessence folle, c'est vrai. Y a pas de pluie non plus, qui est folle. C'est pas grave. Commence avec ça, c'est pénible hein, par contre. Hein. Pourquoi j'ai une capacité volcan là? M'a fait peur. Oh non. J'ai raté. Oh, j'aime pas ces GP. Non mais... Je suis pas allé du bon côté, mais je crois que j'ai esquivé grâce à mon sprint, cela dit. Oh, deux fois!
J'arrive même pas à voir où j'en suis au niveau de leur vie. Ouais. Moitié pour une. On va dire un tiers pour l'autre. J'aime pas vos épées. Aïe aïe aïe. Ouais. J'étais pas prêt. Boum. Aïe 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 aïe. Niveau vie par contre je suis mais tranquille hein, pour le moment. Je vais pas me jinxer là en faisant l'idiot bête mais. Ok super. Oh, j'ai réussi à l'esquiver au moins une fois, youpi! Oh non, je l'ai raté. Non. Allez, dégage, merci. Ouh! Ça aussi, c'est long, je veux les passer, ces trucs. Vite, vite, vite! Par contre, je suis content de vous présenter bientôt sur vos écrans le piquier numéro 3, le spectre, les portes de l'outre-monde. Les portes se détruisent au bout de 15 secondes et infligent des dégâts. Attends, quoi? Oh non, c'était pas fou, ça m'avait pas plu ça. Mais j'aurais pu la revendre, je suis idiot. Bon, c'est pas très grave. Allez, on va regarder K2000. Je suis le piquier de niveau 3. J'ai un nouveau pouvoir. Bloque la prochaine attaque et charge en infligeant des dégâts physiques. Cette attaque est considérée comme étant une attaque de sprint. Augmente la distance de sprint pendant 8 secondes quand la contre-attaque est un succès. Oh, c'est une contre-attaque. Ouais, vachement utile. Ah ok, bah là j'ai paré, mais apparemment j'ai quand même pris des dégâts dans la tronche assez sévères, donc je suis content. N'hésitez pas à activer la cloche. Punaise. Oh, c'est pas fou le niveau 3, j'ai l'impression qu'il fait n'importe quoi. Ah, c'est pas bon. Ça me plaît pas. Bon, dédoublement un objet, je sais pas lequel, n'importe. C'est pas bon! Il est pas bon là, le piquier! Oh non, pas cette daube! Au revoir, Yves. Bon, je suis mécontent de mon évolution. Surtout en l'air. Il dash là, ça me plaît pas. Avant, il faisait plein de petits coups, c'était chouette. Là, c'est pas ouf quoi. Oh non! Ok, là c'est bon. Là j'ai pu contre-attaquer par exemple. Bon, c'est pas. Non, c'est pas à la hauteur de mes espérances. C'est pas très grave, hein. Je vais pas. Putain. Pardon. Utiliser la quintessence pour le pouvoir condensé dans la main de Sionazo, créer une explosion et inflige des dégâts fixes. Oui, voyons voir. Ah oui, on l'avait déjà eu lui! Ah lui c'est bien ouais. j'ai de l'argent pour faire un. C'est dommage ça. C'est dommage parce que c'est très bien.
Lors d'un sprint, génère une explosion d'énergie. Bah, je sprint pas mal avec lui, donc on va prendre la place de ça. Hein. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Et tu me les brises, toi, à m'envoyer toute ta cave dans la tronche, là. Je les ai vus tomber. Yes. Ouais, vas-y, va dans le... Va voir la lumière pour voir. Il me faut quand même du physique, hein, c'est... Niveau dégâts physiques, c'est pas ça, quoi. Super, ça va pas assez vite, je vais mourir. Oh la vache... Toi, tu me limerises. Hein. Aïe, aïe, aïe. Le jeu est dur, là, avec mon piqué. Au début, j'étais très hype, et... Là, pas du tout, quoi. J'hésite limite à jouer avec ça, quoi. Non, pas la boîte. Ouais, j'hésite à jouer avec ça, ça m'embête un peu, c'est vrai. Surtout que j'ai laissé des objets magiques de fou, quoi. Mais alors, de fou furieux. Mince. Ah, ça me plaît pas. Hey, salut. Oh, je suis tombé. Je me suis un peu trompé de bouton, ouais. Oui, c'est de l'overkill, oui. Macarel. Il est pas mauvais, le maître sorcier, mais... Je sais pas, j'ai l'impression que ça va me retomber sur le coin du nez. Oh non. Ah, quoique. Vite. Ah, vas-y, voir, je vais te montrer moi aussi ce que c'est la porte. Ça va? Au revoir. Ouais, ça s'est bien passé. Non, le génie! Non, ça c'est non, donc on va prendre des os. Aïe, 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 aïe. Pas fou, pas fou. C'est... Ouais. Je suis pas très content. Si c'est ma dernière partie, là, je finir comme ça. Ça me plaît moyen. Voilà. C'est faut le dire. Aïe. C'est pas ouf. Je me suis encore trompé de bouton. C'est pas grave, mais... Je suis trompé. Aïe, aïe, aïe. Mais j'ai pris des dégâts ou pas, là? Non, c'est bon. Parce qu'il m'a littéralement dashé dessus, le type.
Ça l'a invoqué ? Non, c'est bon. Après, je peux les maintenir à distance. Ça, c'est très 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 bien. Cela dit. Ah, je me suis trompé. Non, pour ça, le maître sorcier, il est bien, mais... Il me faudrait des dégâts. S'il te plaît. Non, mais non, s'il te plaît, donne-moi un. Ok, c'est quoi ? Ah, c'est nul. Le problème de la compétence du roi sorcier, là, c'est... C'est le méga laser. Je vais pas pouvoir le charger contre... Contre la mistinguette qui me les brise. Hein. J'hésite vraiment à rester là. Ah non, je vais faire ça en fait. Salico. Oh, je peux pas les toucher. Mince. Y'a de la vie là-bas, non ? Ouais. Même si c'est 3 points de vie, je prends. On est presque au boss. Aïe aïe aïe. Ouh ! Restaure 1 PV par mort pendant 2 secondes lors de l'échange. Augmente la vitesse d'attaque de 40% pour chaque attaque normale, compétence ou attaque de sprint. Augmente la vitesse d'attaque de. Ouh ! Ouh, 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 ouh là, ouh. Ouais, 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 ouais. Mm. Oui, j'aime ça, oui. Mm. Ouais, 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 ouais. Tchic, 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 tchic. Les casse-noix, mais les casse-noix, oh là là. Ah mais... Je sais pas comment je sais pas comment battre la chimère. Là, j'avoue que je suis... Ouf, oui, oui, l'attaque magique, oui. Oui, l'attaque magique, oui. C'est elle, oui, on la reconnaît. C'est l'attaque magique, on la reconnaît, regardez. Mais oui. Salut, c'est moi l'attaque magique. Poussez-vous. Poussez-moi, excusez-vous. Ah. Pouf. Bonjour, je suis l'attaque magique. Ouais, je sais pas comment je vais faire mon dernier combat, moi, mais ça va pas être la fête, hein, je pense. Oh, de la vie. Aïe, ya. Oh, oh. Et bonjour. Oh, c'était pas ouf. Y'en a un qui veut bien mourir, s'il vous plaît, pour exploser sur... Ouais, ok, c'est bon, il meurt. Donne-moi la vie, s'il te plaît. C'est le fruit de l'amour. Merci. Ouf. Ah ouais, super, quoi. Il me file le pire objet du monde. Tu
Ah. Allez. C'est toi, punaise, je te cherche depuis tout à l'heure. Sale gosse. Après, je comprends pas avec le stuff que j'ai que j'arrive à tanker, mais enfin, comme un fou furieux par contre. Hein. C'est autant je me plains, mais alors les dégâts, j'en prends pas des masses. Bon, là, ça va pas être la même limonade, mais on va voir. On va voir si j'arrive à faire quelque chose contre le chimère. J'y crois moyen. C'est sans déconner, moi, j'y crois pas. On va voir. Hein. Aïe. Ah, quoi que, hein, ça baisse, hein. Ah. Et boum. Non, il peut y avoir de bons dégâts, hein, mais... Oh, oh là là, oh là là. Dans ma tête aussi, il peut y en avoir. Allez, allez. C'est le mini-vie, là. Là, on fait attention. J'ai rien fait. J'ai rien fait pour l'esquiver, je suis ravi. Et là, on essaie d'aller en dessous. Ouais, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pris des dégâts. On attend que ça se... Ouais. Comment ça se fait que j'ai pris des dégâts? C'est fou, ça. Allez, chimère, meurs. Regarde, c'est les... Ah, mais non. Ah, punaise. Comment je fais avec, sans déconner, un stuff aussi pourri? Y'a pas d'autre mot. Il est nul à chier, ce stuff. Oh non. Pour arriver à faire 2-3 trucs... Et la semaine dernière, avoir quand même le joueur, et... Oh, je suis tellement énervé contre moi-même. C'est quoi ça? En entrant sur une carte, augmente les dégâts infligés de 7%, et l'attaque physique, toutes les 15 secondes. What? Mais c'est super bien. Super bien avec lui, ça. Bon, je pensais vraiment pas aller aussi loin avec ce stuff-là et avec mes deux bonhommes. Ben, je vais continuer. Et ben, dès que je meurs, ben, j'arrête, hein, tout simplement. Mais je pensais pas aller aussi loin. Ça, c'est... Je comprends pas. Je sais pas ce que je fais en fait pour. Je me suis trompé de bouton. Parce que c'est pas mal comme ça, hein, mais. C'est vrai que ça fait plein de petits dégâts, mais je comprends pas pourquoi j'arrive entre guillemets à survivre mieux que tout à l'heure. Oh non, c'est vrai qu'il y en a en bas. Mais toi, je veux pas te filer de ma vie. Hein. Si en plus c'est pour me filer un truc tout caca, non merci. Ben, j'ai vu qu'il y avait une fontaine pour se purifier, l'eau bénite. Bonjour. Bonjour. Hop. Et puis on tue, hein. C'est bête à dire, mais on fait pas semblant. Voilà, tout. Oh, sans déconner. Leurs attaques vont très vite. J'ai même pas le temps de voir ce qui m'arrive dans la tête. Bon, tant pis.
Ah, il va pas jusque là, ma quintessence. Parce que là, les dégâts que je vais prendre vont être colossaux. C'est plus je me fais toucher, et plus ça va être difficile, là. Ah, mais punaise! Pardon. Mais qu'est-ce que c'est dur! Cette zone est insupportable! Très compliqué. Deux fois lui, hein, ça c'est. Par contre, c'est pénible. Il faut de la vie. Oh non. Allez, allez, prends pas de dégâts, prends pas de dégâts. Merci. Oh, cool. Le marché, il fait du bien. Non. Non. Ah, quoique maintenant. Oh! Ben ça, je voudrais bien des esprits. C'est un peu le problème, quoi. Savoir cet objet, c'est bien. Avoir des esprits, c'est largement mieux. Lors d'un sprint, le taux de critique. Ah, c'est nul! Ça va pas avec ce que j'ai. Ouah, d'accord. Ah là là, c'est dur. Arrête! J'ai un point de vie. Oh, ouais, d'accord. Allez, la bise, hein. Ouais, bon. Oh, j'ai ressuscité, c'est vrai. Oh là là! C'est quelque chose qu'il faut vraiment que je prenne en compte. Mais bordel! Eh, regarde, en fait, il y a plein de trucs qui arrivent sur toi et tu vas mourir. Tu aimes? Ah ouais, j'adore. C'est dur. Ouais, ok. Vas-y encore. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, d'accord. Bon. Ben là, je savais pas. Eh ben tant pis. Trop dur. La partie était trop dure. Y a rien qu'à synergiser. Au début, le piqué était bien. Puis il est passé niveau 3, il était nul à chier. Ah, tant pis, tant pis, tant pis. Bon, je me suis bien amusé, cela dit. Et en plus, ben, j'ai pu débloquer tout ça, là. Et d'ailleurs, ben, je vais aussi faire celui-là. Voilà. Comme ça, on sera un peu prêt pour le prochain stream. Toc, ça, voilà. Et techniquement, j'ai bientôt tout acheté. Hein. Bon, après, il faudra voir monsieur et ses 5000, là. Vilain. C'est pas mal, c'est pas mal. Je suis content. On a bien avancé, même si la quatrième zone, bah, c'est vraiment difficile. C'est très compliqué. Donc, plus on avance, plus on achète de trucs avec les quartz noirs, et plus les quartz noirs, après, je pourrais les dépenser dans mon marché. Et ça, c'est chouette. Bon, sur ce... moi, je vous retrouve... au plus tard, normalement, si tout va bien, lundi prochain, pour Skull. Dans la semaine, si je fais des streams sauvages, c'est vrai que la semaine dernière, j'en ai fait un que lundi. On verra cette semaine si je suis un peu plus dispo le soir. C'est juste que j'ai pas pu, tout simplement. Normalement, à 21h, vous retrouvez Draken avec Bioshock 1, la suite. Et puis, sinon, mercredi, Bioshock 1. Et vendredi, Bioshock 1. Beaucoup de Bioshock. Mais ça a l'air de vous plaire. Donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur Discord. Cordialement, bisous, je m'en vais. Au revoir.